shake it, move it, pump it, pump it. Shake it, move it, pump it, pump it. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour... Oula, la lumière. Oula, la lumière est beaucoup trop forte là. Allô, on verra ça plus tard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce casque de qualité. La lumière est juste trop forte, j'en ai marre, brave. Bienvenue pour le GP de Monaco à la VMV en Ligue B. Et je suis en compagnie de Thomaser. Comment ça, Thomaser? Salut, ça va et toi? Bah écoute, t'as l'air en forme. Gary le dieu quoi. Bah Gary, ouais, Gary, là je t'avoue là, bonsoir mes enfants, aujourd'hui je vais vous streamer un petit GP les gars. Non mais ça va en faire ça, bref, on verra plus tard. Ouais c'est vraiment, je suis éclairé comme un... Ah, ça va, on comme un seigneur. Pav, en tout cas, je te suce, ah d'accord, bah écoute, bah vendredi en 6, on se fait ça. Monaco, GP de Monaco, Ligue B, en tout cas... Là, il y a du combat parce que c'est Monaco. Voilà, vous l'aurez derrière moi, c'est Monaco. Derrière moi, c'est Monaco, vous le verrez. Ça va avoir un grand prix de qualité. Alors, Asmon n'est pas là, bien sûr, parce que voilà, c'est un trou du cul. Non, je rigole. Il revient de vacances et il n'était pas encore là. Donc voilà, on le pardonne. C'est bon, il a prévenu. Voilà, donc il y aura sans Asmon aujourd'hui, il n'y aura que Thomaser. L'humour va baisser, c'est sûr, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est parti. Le micro n'était... Ah! Au secours! Oh super, capture d'écran. Hop là. Voilà. Ok. Je peux venir si tu veux. Non merci. C'est bon, j'ai mon pool de cast, ça va aller. Alors normalement, hop, c'est bon. Et on va régler un peu ce problème. Pause qui a quitté la session déjà. Ouais, on va... Oh, ouais, allez, c'est parti. Hein. Tu sais ce que t'as à faire, mon petit Thomaser. Ouais, je l'ai dit d'abandonner malheureusement. Ah ouais, c'est ça, c'est... Bon! Le problème, c'est qu'est-ce qu'on s'envoie, il va pas faire de la... Non, il va poster les stands, je pense. Ok. Alors, hello, t'es derrière, salut Xiwall, salut Foxer, salut Sol, 1302, salut Erk, salut Foxer, salut la FC, incroyable. En tout cas, bon, alors, je peux plus faire des retours Windows, donc on... Voilà, il y aura, je veux dire... Il y aura cet éclairage du feu de Dieu aujourd'hui. Voilà, il y aura cet éclairage du feu de Dieu. On verra plus tard. Là, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis beaucoup plus éclairé. Peut-être que j'ai mal fait mon truc. On verra, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, on va commencer avec. C'est qui? C'est Selim en première, je crois. Ouais. Selim qui est sorti le premier. Selim qui est sorti le premier. Alors, pareil, vous me dites s'ils sont un peu trop forts. Par rapport aux voix, par rapport à, comment dire, à Thomaser, si on se donne un peu moins Thomaser que le jeu, ça ne va pas. Ce qu'il faut, c'est qu'en priorité, ils vont monter les moi, Thomaser et le jeu. Voilà, donc s'il y a un problème, vous me dites, hop, je fais une petite pause, tac tac, on baisse. Pas si vous préférez moi ou qui. Ah, tu nous illumines, merci. Déjà un drapeau jaune, et c'est parti pour Selim. En tout cas, Selim qui part directement, premier tour, premier turn. Et ça va se passer très très bien, matin, d'ailleurs. On l'a même pas dit, oui, il y a trois nouveaux. Il y a un peu le son de Thomaser. Ah, terrible. Et bah écoute, on va faire ça. Hop. On va faire ça vite fait. Hop. Voilà. Parle pour voir. On va voir, bref. Alors, donc en tout cas, oui, il y a trois nouveaux. Comment dire, il y a trois nouveaux pilotes en Ligue B. Martin.
Pouce et El Carpeto. Vous le connaissez un petit peu, El Carpeto, je crois. Mais voilà, donc en tout cas, trois nouveaux pilotes. Parce que voilà, Tech s'est monté en Ligue A après la démission de Doudaron pour Indianapolis. Oh non, Selim! Oh Selim! Oh Selim, oh, oh, il a détruit sa voiture. Ah ouais, Selim, c'est fini. Hein. Oh Selim, c'est le carnage. Ah mais là, ils font comment là? Attends, ah ouais, derrière, oh, c'est Barkir. C'est Barkir. Oh là là. Attention Barkir. Drapeau jaune, Barkir. Oh Barkir. Un drapeau jaune, Barkir. Oh Barkir, oh, qui est à fond. Oh là là, oh, attention. Oh là 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 là. Et George. Incroyable, non, c'est mais bon. Il y a un drapeau jaune, c'est ah là chaud. Là. Et là, c'est juste trois meurtres en direct. Et bon, voilà, sur Martin Matin, hein, le petit nouveau de la VMV. Écoutez, voilà, deux morts et Medusa aussi. Ça commence bien. Attends, Medusa aussi. Medusa. Attends. Il n'a pas abandonné. Non, Medusa, je crois qu'il a abandonné le sang. Ah ok. Pau, ça rejoint. Tu as dit message. T'as fait le message. Ouais, ouais. Après, faut qu'il reste pour la course, hein. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Ok. En tout cas. Allez, Varkir, il l'a juste explosé. C'est vraiment incroyable. Normalement, le son de Thomas Arnold, il est bien. Normalement, je t'ai augmenté à deux fois. Ouais, là, c'est bon. Hein. Là, c'est de la qualité. D'habitude, je parle assez fort, mais ça doit être sur ton live. Bah, écoute, ouais, c'est sur mon live. Hein, je pense que. En fait, j'ai baissé la sortie aussi. J'ai un peu baissé la sortie. Donc, entre guillemets, ce que moi j'entends, c'est pas ce que eux entendent aussi. Donc, je pouvais pas passer sérieux. Coup, alors, là, normalement, Varkir, il y a un drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune qui est brandi. Et qui te dit il faut ralentir, hein, voilà, Varkir, il y a un drapeau jaune qui te dit il faut ralentir, il y a un danger. voilà. En tout cas, Martin, lui qui est calme, il fait son petit tour, ouais, ça c'est. Elle a coupé. Il a coupé, mais genre tout droit la chicane, je sais pas si on a le droit mais. Aïe, coup dur, bah, on l'a peut-être pas redit mais bon. Oh là là, ouais, non, Martin Matin, aïe. Oh non, il fait quand même finir le tour. Ah dommage pour Martin là. En vrai Martin il aurait dû finir le tour pour moi. Professeur qui a mis le truc, incroyable. Qui c'est qu'on a d'autres? Attends. Monsieur Chic qui termine là. Attention. Ah. Il avait déjà fait un tour. Il a une heure de une seconde. Il a une heure de une seconde, Monsieur Shift. Voilà, et voilà, premier, 10.8, voilà. Très très bien ça. Attention à lui parce que là du coup il a fait deux tours mais il a plus d'essence. Aïe. Ah là, bon, va falloir bien gérer le. Ah, et Alox qui écoute très très bien. Hein. Ah, qui écoute même un peu trop bien. Ah, c'est bon, George S, c'est bon, on y va. En tout cas, Alox qui. Salut Karama. Non, Karams. Karams, comment ça va, Karams? Mingos a quitté la session. D'accord. Oh non. Vraiment des plaisirs de connexion aujourd'hui à l'IB. Mingos, on invite. Yo les gars, ça va? Salut, ça va, super. Faut que je règle ce problème entre la qualif et le truc que comment dire que je vous illumine pas pendant toute la soirée. Ouais, heureux de rouler à Monaco ce soir. Ah c'est Milko ça rejoint, ça va. Ah, Shift il me fait trop peur, il a plus d'essence. Ah ouais. Bah là il y a personne derrière lui en tout cas. Il peut arriver jusqu'à la chicane avant le ouais, il y a Wapni qui arrive. Ouais, mais il peut arriver à la chicane. Faut qu'il laisse passer la chicane par contre hein. En tout cas, on est sur Alox. Ouais, on est sur Alox qui n'a pas encore fait de temps. Et George et Awakni qui ont été en médium par contre aussi. Hein. Ça, c'est intéressant de le. Ah non, attends, meilleur tour, si c'est ça. Meilleur tour en médium pour George et Awakni. Et Alox et Ludo sont en tour lancé. Et pour l'instant, sauf Zormat qui n'est même pas sorti. Ou peut-être qu'il est sorti, mais qu'il a annulé son tour. À voir. Oh, wait. Alors on va voir Alox, il va faire quoi? Ouais, Alox, bah, là c'est d'abord Alox, puis après Ludo. Non, Ludo il va finir avant. Ah non, Ludo il va finir avant. Désolé, il y a Ludo qui a fini avant. On va voir ça, Ludo. Ludo, je pense qu'il va faire un bon tour. Ou pas. Attends, il est un peu loin. Hein. Non, si, un bon tour, non? Ouais, un tour, un moyen. Moyen son tour. Ah, ouais, dixième, ouais. On l'a vu mieux. Mais après là, oui, comment dire? Ils sont déjà que 17 et on a déjà 4 qui ont abandonné. Donc je veux dire, au moins déjà, ils font un temps. Ils sont déjà entre guillemets 13ème. Ils sont déjà 13ème alors que. Ça va faire comme Ludo. Et Alox. Ah non. Ah bah non, c'est bien. Alex, c'est comme Ludo. Ah, alors je veux bien que vous fait, clipez ça s'il vous plaît parce que. En fait, quand je l'ai vu dans le 3ème secteur à la vitesse qu'il avait, je me suis dit que lui il va aller loin. Ah, c'est vraiment, j'aimerais bien que vous remettiez ça parce que vraiment, Alox, comme Ludo. Vraiment, c'est incroyable. Super. Vraiment incroyable. Non, je remplace Asmodée aujourd'hui, voilà.
Et Martin, Martin qui va retourner pour un tour, qui est en train de refaire son tour. Allez, c'est pas, c'est bien, c'est bien. Et pour l'instant, bon, il y a eu un crash. Je, ça va, je veux dire, on a vu pire, on a vu pire. C'était le crash. Il a, tu vois, il a mis le drapeau jaune, il a fait mon bel coup. Ah ouais, tu sais, il a mis le drapeau jaune, il a dit, bah j'accélère. Tu sais, c'est un peu au cop de la route. Vous voyez une mamie qui traverse au piéton alors qu'il a feu vert. J'accélère. Ouais, voilà, c'est, je veux dire, on est sur site de code de la route, quoi. C'est un peu perdu, ça rigole plus. Non mais le costume maintenant, les gars, c'est pas juste Levon qui a fait le costume. Hein. C'est maintenant, c'est la base. C'est la base. Je veux dire, maintenant, si vous voyez un casseur de la VMV sans costard, mais vous lui crachez dessus. Non, faites pas ça. Mais je veux dire, non, mais c'est. En tout cas. Non, pas cracher dessus. Oh, Martin, eh, c'est la même erreur. Il faut rentrer ensemble, il faut rentrer ensemble là. Non. En fait, il a fait la même erreur que le premier tour. Le premier tour, il a fait cette erreur-là, il est rentré au stand, autant finir un tour, je veux dire. Là, voilà, il est. Ouais, mais au là, moins, c'est une 15. Non, mais au moins, il est 12ème. Ouais, c'est vrai. C'est au vrai. Moins, il est 12ème. Parce que là, s'il fait pas de tour et qu'il se crache, il peut être 12, comme 15, comme 16. Enfin, je veux dire, voilà, c'est. Et Sauveur Matt qui commence. Oh, El Capito! El Capito! Très très bon temps, El Capito, 2ème. Très très bon temps, ah, le retraité. Pour moi, le drapeau était pour George qui m'a laissé passer. Ah. Ouais. Ok. C'est la base, je suis là. Oh putain, base, bon, incroyable. Est-ce base. Que Martin m'a laissé passer? Martin, il faut que tu laisses passer. La team, salut, Tom. Voilà, très bien fait, magnifique. Martin, il a l'air d'avoir bien compris le drapeau bleu. Hein. Moi, je te le dis, il a l'air d'avoir bien compris. Et c'est Sauveur Matt. Sauveur Matt conscient encore qu'il va arriver à l'épingle. Il a quand même. Il a pas. Je suis dans Zem. Norzem qui est en tour lancé aussi, Norzem. Ouais. Ok, bah écoute. Oh non! Oh, c'est bon. Il ne s'est pas craché. Allez, Sauveur. Il n'a pas. Allez, Sauveur. Bah encore là, c'est leur deuxième relais normalement. C'est juste leur deuxième relais normalement. Ouais. Oh non, Sauveur qui abandonne! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais fais un temps! Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, Norzem. Ah, il veut relancer! Norzem! Oh, premier! Ah, il n'améliore pas! Excusez-moi! Non, mais deuxième secteur, il n'améliore pas! T'inquiète! Il a dû se louper à son troisième secteur, à mon avis. Il a dû se louper! Ouais, bravo à Norzem! Et Sauveur qui reprend, qui refait un temps, c'est reparti pour Sauveur. Est-ce qu'il aura assez d'essence, Sauveur? Ojo! George! Ah, les Alfa Romeo! Ah, les Alfa Romeo! Qui sont sur le toit du monde! Incroyable! Ah oui, il est doux, j'avais pas vu. Ah ouais, George, oh non, c'est George maintenant qui est premier. Incroyable. Oui. C'était Geozo, pas George, désolé. Geobeta. Incroyable, les deux frères George qui sont qui sont juste dans les deux premières places. En même temps, enfin je veux dire, les deux sont vraiment très très forts et voilà, enfin juste trop fort. Non. Écoutez, et Sauveur Matt, allez Sauveur Matt, allez, oh qui se fait un peu gêner par Acta, non, mais Acta a vraiment pas bougé là. Acta qui a gêné, qui a un peu désorienté Sauveur Matt. Mais il va vraiment laisser passer là? Oh putain Acta. Aïe aïe aïe. C'est bien la peine de faire un briefing les gars. Là je veux dire ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Bon bref, allez, Despooky qui finit je crois, Despooky qui n'améliore. S'il améliore, il améliore mais qui ne dépasse personne. Ouais, il a tout annulé, non. Monsieur Shift qui. Attends. Il fait un autre temps Monsieur Shift. Ouais en fait. Oh ouais mais en fait tu portes le chat noir, c'est pas ah possible. Ouais, non, c'est. Sorry. Oh regardez, il y a encore la roue à gauche. Ah ouais, j'ai pas vu. Y'a que moi qui avais la roue. Ah ouais, sur ton stream y'avait pas la roue. Ah ouais. Ok, bien. Terrible. Ah, ok. La roue de Sauveur Matt à gauche, il était resté là. Acta qui fait son temps. La petite roue de Sauveur Matt, elle était laissée par la communauté, elle s'est dit voilà. C'est un peu comme une tombe quoi. Qui c'est qui s'améliore? Ouais, carrément, Qui c'est qui s'améliore? Non, il y a que Acta, ouais, y a que Acta. D'ailleurs, j'ai même pas encore envoyé le site là d'ailleurs. Faut que je fasse ça. Ouais, le streamer en PLS. Si Valfury est dans le stream, peut-être va envoyer le lien à Thomaser et à moi-même. S'il peut. En vrai, sur Monaco, j'ai peur moi de couper vraiment à Monaco. Hein. De me tout donner et de couper, c'est vraiment la peur. Attention, il y a toujours de la place dans la ligue. Alors, hello, hey, here. Et deuxième, deuxième matin. Incroyable.
Hey, Chitata ou quoi là? Oh, lol. Allo? C'est sûr, il file pas, mais comment il a découpé son armat? Ah, c'est sûr que. Y a eu... En fait, il a pas touché sur son armat. Il a pas touché sur son armat. Il s'est passé quoi? En fait, c'est que. Il s'est pas décalé au bon moment. Il a dû être surpris. Ah, ouais. Et en fait, son armat a réaccéléré un peu en mode panique. Et il a été dans le mur directement, quoi. Et alors, hello here. Concrètement, tu fais point d'exclamation Discord VMV. Tu auras peut-être quelqu'un qui va te le faire sinon. Et tu rejoins le Discord et là tu devras passer une académie. Et il y a pas de la place là, mais la saison est sur la fin. Donc après pourquoi pas venir, il y a des events etc. Donc t'inquiète pas, il y a pas de la place pour la ligue à l'instant T. Mais il y a toujours de la place avec un kit etc. Il y a toujours de la place, donc n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et on t'accueillera à bras ouverts. En tout cas, ça me stresse vraiment d'être Jésus dans le stream. Ça m'a l'air. En tout cas, El Capeto. On va le faire entrer. El Capeto, oui, non, je le ferai entre la calife, etc. T'inquiète pas. Mais à chaque fois, je me vois, je me dis putain, Jésus, non, c'est moi. C'est mon crâne qui réfléchit trop. C'est mon crâne. Ça réfléchit la lumière partout. S'il te plaît, laisse bien passer, s'il te plaît. Et c'est El Capeto. El Capeto qui fait son temps. C'est bien amené, c'est bien amené. De qui ça? Ah non, ça va, c'est juste que Ludo est en tour de. Enfin, on va annuler son tour et du coup, j'avais peur qu'il laisse pas passer. Ouais, il y a un George qui arrive derrière eux. D'ailleurs, il y a un George qui arrive derrière eux. Ouais, George, bah, ils vont pouvoir le laisser passer juste après ce virage. Après. Alors, Carpet, il va faire quoi? Ouais, Carpet, il est pas mal, je crois. Hein. Il est pas mal, Carpet. Hein. Carpet, quatrième Carpet. Ouais. Quatrième. Ah, quatrième, c'est très beau, très c'est bon beau. Tour, hein. Très très bon tour. Il ship la quatrième place à Norzem et dépasse Alox tous en même temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? George. On a Martin. On a George. Non, Martin. Si on a Martin. On a Martin, on va voir ça avec Martin. Garay, c'est un pro, il se coiffe avant les GP. Super. Il est sponsorisé par leur qu'est-ce que quoi? Oula, Martin, et on va suivre George, parce que c'est un peu plus beau. J'ai con. Je rigole. George, attention. Le deuxième secteur, il améliorait pas, mais on a peut-être le dernier, on va voir. Non, pas l'amélioration. Il y a Géo qui améliore de 3 dixièmes. 3 dixièmes, s'il avait raté son troisième secteur, ça peut être très très bien. Oui, il glisse. Ouais, ça, c'est un peu glissant, un terrain un peu glissant. Dayard, incroyable. Et ça. Il n'améliore pas. Non. El Capeto non plus, Norzem non plus. Alox! Alos qui est en tour lancé. Et après, ça sera Norzem, je pense, qui sera en tour lancé juste après. Et là, Alox, lui, il a un boulevard. Il a un boulevard devant lui. Par contre, là, il y a personne qui ressort, là. Attends. Ici, il y a un Shift qui lance. Non, je veux dire. Il y a Wakni qui lance, souvent... Norzem qui lance. Ah, mais attends, est-ce qu'on a pas un bug? Est-ce que c'est pas 2 minutes 27 en fait? Parce qu'en fait, moi, pour moi, non, à 1 minute 30, il devrait y avoir tout le monde sur la piste, là. Est-ce que Milgo, c'est en une sortie? Du coup, tu as envie de sortir? Ah, mais non, mais je suis con, mais je regarde le truc. Je dis, il y a beaucoup de mecs au stand, mais aussi beaucoup d'abandon aussi. Je suis con. Non, mais c'est. Ouais, c'est vrai que t'es con. Ouais, ouais, j'avoue. Ah bon, t'arrêtes. t'arrêtes maintenant, sinon je te vire du channel. Ouais, Georges n'améliorera pas, apparemment. Jo non plus. Bah, Alox, il y a Alox là. Il y a Alox qui fait son tour. Est-ce que Alox va améliorer? Oui, deuxième Alox! Ah, deuxième! Deuxième Alox! Très très bon ça! Et on va voir Norzem, il y a Norzem qui est en tour lancé. Est-ce qu'il va améliorer et là Attack qui nous ressort pas. Attack il ne ressort pas, donc il n'améliorera pas. Ni pour George, comme tu l'as dit juste avant. El Capetagor qui abandonne. Ah non, ok, non, dans les stands. Dans les stands, c'est bon. Attends, non. Non, c'est pas dans les stands. Milgos, attends. Qu'est-ce qu'attends? Attends, mais El Capeto il a pas dans les stands là. Il y a deux Racing Point dehors. Ok. Il a pas abandonné dans les stands? Bah non. Me dis pas qu'il a bon, il a gêné des Spooky du coup. Bah peut-être hein, je. Bah je pense. Je pense hein. Aïe aïe aïe. Et ça c'est tapage de doigts. Ah non. Ça c'est tapage de doigts. Et Norzem 3ème. Là je parle, mais Norzem 3ème. Norzem 3ème. Et Diozu qui attends, mais... Diozu qui améliore. Diozu qui améliore aussi. Ah ouais, non, je pense qu'on a un bug parce que George il sort là. Ah ouais. Ah oui, alors bah, on a un très très beau gros bug alors. Oui. On a un très très beau bug. En fait, on a commencé à 14 minutes nous. Hein. On a commencé, il était 14 ouais, minutes. Ok, donc, ok, parce que je me disais, c'est trop bizarre qu'il y a beaucoup de monde dans l'instant alors que c'est le dernier.
Et Jozu, attention, Jozu qui va finir. Est-ce qu'il va passer devant Norzem, Acta et Alok ou même George? Ça a l'air d'être beaucoup mieux de la part de Jozu par rapport à son ancien temps. Et il passe Acta! Il passe Acta pour 2 centièmes et derrière Norzem pour 1 seul centième. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Et Monsieur Shift aussi. Oh, Monsieur Shift! En direct, il se casse la gueule! Non! Terrible! Oh non, mais attention, George, attention, George! Oh là là! Bah oui! Il y a un drapeau jaune! Ah ouais, il l'a poussé. Il a juste dit, dégage. Ah ouais, c'est. Spooky, c'est pareil. Oh! Ah putain, mais les gars, il y a un drapeau jaune! Alors, est-ce qu'il va crever, Spooky? Attends, Ludo qui va finir peut-être. Hein. Attends, il y a Martin Matin et Ludo qui n'ont pas fini encore. Awakni, attends, Awakni est en tour lancé ou pas? Oui, mais non, il n'est pas en tour lancé. Ludo! Tour de sortie, moi j'ai. Oui, il y a Ludo. Ouais, mais il a, comment dire, ouais, il a quitté, ok. Ludo. Ah, ils ont Awakni du mal à se virer. Awakni qui a quand même quitté la session. Voilà, donc pas mal. Est-ce qu'on le réinvite tout de suite ou pas? Oui, réinvite le tout. Bah non. Non, faut qu'il attende. Ouais, Attends, il faut que je lui dise. Ouais. Aïe. Je l'invite au moment du départ, je suppose. Ouais. Super, et Ludo qui n'a pas amélioré maintenant non plus. Et ça sera une pole position pour George devant Alox, Norzem et George. Et Jozu, Acta, El Carpeto, Monsieur Shift, Awakni, Despooky, Ludo et Martin Matin pour clore avec Sozormat, Pos, Célim, Médusard et Varkir. Alors les 4 derniers, ça à voir parce que des fois ça s'échange, etc. C'est un peu. Un peu compliqué, mais en tout cas, c'est la grille de départ et il n'y aura pas d'interview hein, parce que bah concrètement, à chaque fois, ils sont pas là. Non, ça c'est vrai. Genre, je pense pas. Hein. Au pire, peut-être inviter le deuxième. Non. Peut-être le deuxième. Norzem, attends, c'est Alox ou Norzem, je sais plus, attends. C'est Alox, est-ce que Alox il est là ou pas? Et là, on va. Ouais, il est là-bas au-dessus, ouais. Invite-le, fais une interview vite fait. Je le move. Hein. Et bonsoir Alex. Oui, yo, ça va? On interview le deuxième, bien joué pour ta deuxième place, incroyable. Merci. Ouais, je visais la PA, mais bon, Georges, ça va vite hein, devant, donc on peut plus faire grand chose. Mais bon, au moins voilà, c'est la P2, c'est déjà pas mal. Bon, je suis un peu du mauvais côté de la piste, je suis pas ce côté-là que je peux faire. T'es à l'extérieur, c'est ça? Ouais, j'espère, je vais pas me faire coincer. C'est tout ce que j'espère. Ouais, mais. Ouais, comme, je disais sur le chat beaucoup de fois cette semaine, j'ai pas forcément peur de moi, j'ai peur des autres sur le GP. Ah bah, c'est sûr que. Parce que sur les GP Train, c'est les autres qui me faisaient peur. Donc voilà. Donc, on croise les doigts et on espère que ça se passe correctement. Bah, ouais, bon, ça se passera correctement aussi, hein. Et puis bah tu lances, attends, on lance à 30, 10h30. Ça marche, ok, très allez, bien. Allez, bah, tu mets ça, Thomas Zer. Et puis bah écoute, bah le temps qu'on attende, on va peut-être inviter Norzem au pire. Ouais, Norzem, il est où Norzem? Norzem, normalement, il est là. Tu me move et puis on l'invite. Vas-y, Salut Norzem. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Ah écoute, ça va très très bien. Troisième place, pas mal non? Ouais, je m'attendais pas devant mon coéquipier, je suis content. Ouais, c'est vrai que pour une fois, t'avais ton coéquipier. C'est vrai que ça s'est joué à quelques centièmes par rapport à Acta, etc. Geozu. Je crois que c'est 4 centièmes entre vous trois. Ouais. Bravo pour ton troisième place. Bon, maintenant, je veux dire, entre guillemets, il y a. Pour Monaco, le plus dur reste à faire. Mais le plus dur a aussi été fait. C'est se qualifier devant pour pas se faire gêner entre guillemets par d'autres personnes. Et c'est sûr que maintenant c'est enfin on s'est déjà parlé, on va faire pour le stream. C'est quoi ton objectif ce soir? Ah, mon objectif clairement c'est de pas prendre de pénalité et de pas casser. De toute façon normalement la pénalité c'est le mur hein. Donc normalement c'est ah bah il y a le premier virage hein, ouais le premier est tabac, le premier non coupé, piscine ou tabac, non je sais plus piscine ouais.
Mais attention au drapeau jaune, hein. Vous avez vu, je sais pas si t'as vu pendant le calife, il y a eu beaucoup de dégâts ouais. À cause du drapeau jaune. C'est ça, c'est qu'il faut même, j'ai l'impression que même si t'anticipes, c'est faut vraiment faire attention. Ouais, faut vraiment ralentir quoi. Mais en fait, pour moi, il y a aussi la trajectoire idéale qui gêne, tu vois. Tu sais, la trajectoire idéale, t'es un peu concentré dessus, tout d'un coup tu vois une voiture, un peu moins qu'avec Asmode en Autriche quoi. Si tu vas au dernier moment et puis voilà. Ouais, bon bref, on te laisse pour te concentrer. Merci. Bonne course et bonne chance. Merci. Salut. Ce stream. Tu peux passer, Gary, le petit bot, s'il te plaît. Ah oui. Attends. Merde. Oh, vite. Attends, parce qu'il dit, il dit, je pourrais pas prendre le départ, je vais devoir laisser l'IA passer. Bah non. Et je lui dis, bah, de toute façon, même si je t'invite maintenant, le bot fera le départ à ta place. Bon, il y a Valfoy qui a peut-être nous l'envoyer. Parce que là, en fait, le problème, c'est que. C'est un peu compliqué pour moi. Ouais, tu peux pas le faire de ta table. Ouais. Crêpe waouh, ouais, petite crêpe waouh. J'avais un peu faim. T'entends ou pas dehors? Chez moi, il y a une sorte d'ambulance, je sais pas quoi. Non, j'entends pas. Désolé, j'avais faim. Je m'étais dit, j'ai mangé avant le stream. Et t'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et ouais. t'inquiète. Du coup, Awakening, pour être sûr qu'on soit sûr. Je l'invite pendant le tour de formation ou juste après le départ? Juste après le départ. Ok. En tout cas, est-ce que pour vous... Tiens, peut-être faire une petite prédiction alors. Safety car au premier tour. Je pense que c'est pas mal ça, pour un Monaco. Une petite prédiction de la part de Tomasa ou pas? Est-ce que Tomasa, t'es prêt pour une petite prédiction? Ouais, attends. Voilà, on est sur le truc. Non, mais. Je fais un alt tab comme un zing et du coup ça revient. Alors, vas-y, petite prédiction, on met quoi? Safety car au premier tour. Et safety car, hein. Allez. Pas safety car virtuel, safety car. Safety car au premier tour. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a mis ou pas? Non, alors. Tu mets 2 minutes au pire. Hein. Ouais, 2 minutes, c'est bien. Et c'est parti. Alors, quels sont les pneus choisis par c'est du médium. Nico, ça t'est disqualifié. Hop là, allez, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, donc c'est soft médium ou soft hard. Ça c'est bien sûr la toute logique. Donc voilà. Donc là, vous avez en haut à droite. Comment dire? Ah non, c'est l'autre côté pour vous, je crois. Ouais, c'est ça, c'est l'autre côté. En haut à droite, vous avez au-dessus du chat, normalement un moyen de parier vos points de chaîne. Voilà, donc c'est un petit truc assez sympathique. Là, je vois du 2K contre 1K. Ça balance, hein. Ça balance. Je vois du oui. C'est Chiff qui m'envoie un message. Bon, on a peut-être pas le lien de la télémétrie aujourd'hui. Hein, what? Monsieur Chiff, il est. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il m'envoie un message, Wagner me rentre dedans, mais c'est un bot, c'est pas possible. Georges en croix rouge, comment ça? Attends. Il a dû faire pause. Georges en croix rouge maintenant. Non, mais c'est. Oh, Là, je vois plus en croix rouge. Hein. Bon, on va voir si ce Grand Prix va se finir sur du sang ou des larmes. Oula, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis là, GOP4. Ah! Bah non. Bah, en vrai, c'est. Tu sais, vous savez, quand il y a. Quand il met pause, des fois, ça y a le truc où il y a marqué croix rouge et après il y a. Je pense que c'est ça. Mais du coup, ça a été disqualifié parce que je suppose. Ils l'ont tous mis en public. Il a dû... C'est bon, je te l'ai envoyé. Ah, normalement, Valfury t'a envoyé aussi le truc, hein. Normalement. Ah bon? Ah, Tomaser, non. Envoie à Tomaser, Valfury, hein, aussi. Ah, c'est à moi qu'il fallait l'envoyer. Non, c'est toi, parce que moi j'ai dit en MP à moi je crois. J'ai complètement déconné. Parce que du coup, Shift il m'envoie des messages, mais il lance pas. Enfin, c'est super, enfin, il fait le départ après tout le monde. Il est en tour de formation encore.
Comment ça? Mais qu'est-ce que... Hein? Mais... Hein? Hein? Comment ça? Hein, quoi? Mais moi je vois Shift en train de courir. Oui, Shift il est... Non, Shift là il est... Il finit son tour de formation là, hein. Shift. Hein. Oh là 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 là, hein? Vas-y, y'a un gros bug là. Ah, là y'a un gros bug, hein. Bah non, pour moi il finit son tour de formation, je sais pas. Ah bah moi j'ai pas si, tout, si, si t'as envoyé en... Si t'as envoyé entre guillemets en... Bon, pour moi là il fait juste son transformation là, je... Ah non mais moi ça... Donc il y a un décalage entre toi et moi. Mais d'accord, mais moi il est encore plus... Il est en arrière par rapport à toi, genre le bot. Ah ouais. Ah oui. Bah écoute, enfin je veux dire, là on va lancer la course et je... Là je... Parce que là je peux pas expliquer quelque chose d'autre que je... Enfin comment dire, là c'est... C'est très bizarre. C'est bizarre, c'est sûr. C'est un peu bizarre. En tout cas, vous êtes 45. Ah, ah, c'est bon. Ah, what? Ah. Ouais, mais on fait quoi là? Ah. Allô. Y a un départ là? Ouais. Ouais, y a un départ. Mais je. Non mais moyen alors de... Ouais non. Allez. Non, il faut relancer là. C'est ciao. Faut relancer. Allez, on lance. Nickel. On relance parce que c'est... Allez, non, nickel. Allez, allez c'est parti. Retour menu principal. Let's go. Alors, on va dire à tout le monde. Ah mais en fait, il y a mon... Ah, il veut pas que je retourne au menu principal en fait là. D'accord. Donc là en fait, vraiment je... D'accord, le jeu m'a happé. Allô. Hop là, nickel, voilà, voilà, c'était la VMV, merci à tous, à la semaine prochaine, non je déconne, restez s'il vous plaît, restez, ça va aller, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, voilà, voilà. Je mets en plein écran, ça va aller, vous inquiétez pas, oula, allô, oula, je suis transparent, la magie du fond vert, j'arrive, j'ai annoncé le red flag, comment ça j'ai annoncé le red flag, t'as pas annoncé quoi que ce soit, Foxer, hein. Vraiment, alors, y a vraiment aucun moment où tu dois annoncer quelque chose. Hein. Bon bah au moins, Pouce il... En tout cas, Coldmaster encore qui annonce de grandes choses, ça c'est sûr, ça c'est beau. En tout cas merci d'être... Putain, 46, merci beaucoup. Là, du coup, Hein? Je fais quoi, j'annule la prédiction? Oui, t'as une prédiction. Ouais. Supprimer, rendre les points. Hop, attends, voilà. Mon stream il bug là, what the fuck. Bon. T'as déjà relancé Non, je suis en train de. Ok. Tout bug ce soir. Ah, c'est la vie, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Mais moi, c'est surtout quand j'ai vu que je voyais Shift qui. On est d'accord que quand t'as un stream, normalement je suis censé avoir de l'avance par rapport au stream. Et moi je voyais Shift derrière toi. Ouais, pas mal. C'était bizarre. Hop. C'était bizarre. Ok. Calice, hop. Temps clair. Officiel. Invité des gens. Et. Putain, il y a eu un drame ou quoi? Il y a que le fou pompier chez moi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi là. Et Thomaser. Okay. Où... Hop, voilà. Ah non mais attends, il faut pas que Pau s'y revienne au fait hein. Faut... Ah, la costard à la classe ce soir, merci beaucoup Slicotti. Voilà, toujours maintenant le costard hein. Par contre, faut pas que Pau se revienne hein. Est-ce que t'as un screen pour le départ? Est-ce que t'as quelque chose ou le stream pour... Ah oui, je vais aller voir un truc. Ouais. Invite. Attends, hop. Alors. Parce que là, c'est le Dawa. Alors, ouais. Je vais aller voir ça tout de suite. Est-ce que tu peux déjà rejoindre les invités aussi, Martin, tout ça, genre... Mais t'inquiète, je m'occupe de la... Ouais. De la... Du truc. Du coup, il y a tout le monde qui m'envoie des MP, mais. Ouais. Ok, c'est bon. Écoutez le live, s'il vous plaît. Merci. C'est le costard qui a fait bugger. En vrai, il y a moyen que ce soit le truc Mingos, hein, mais même si. Elle n'a pas été invitée, donc c'est pas. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Arthur! Hazer TV! Merci beaucoup pour le follow!
ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. Alors. Ok, alors. Est-ce qu'on va trouver cette putain de. Si quelqu'un tient. C'est bon, t'as la grille ? C'est bon, je l'ai. Ah, okay. Je fais le screen. Bah non, dis-la moi parce que moi je peux pas. Ah, pardon. Alors, vas-y, donc t'es prêt là ? Attends, ouais. Hop, vas-y. Donc George. Ah ouais, c'est George. Alox. Alox. Norzem. Norzem. Pardon, parce que je disais. Il manque Carpetto. Ah, j'ai pas invité. Attendez, on va les inviter, on va les inviter. Ouais. Au pire, s'il peut refaire une petite invite tout le monde, au pire, je t'en fais tout le ouais, matin. Refais une petite invite là. Donc, arrêtez le capto. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Hop. Hop. Donc, t'es à Norzem là. Ah, ok, ouais, je suis à Géo. Je suis à Géo. Après Géo. Géo, bah après c'est Acta. Acta, ouais. Avec Carpetto du coup. Ouais. Monsieur Shift. Monsieur Shift. Awakni. Awakni. Des Spooky. Des Spooky. Ah non, Milgos, pardon. Milgos, pardon. Milgos. Milgos. Ah, après, c'est des Spooky du coup. Awakni, Milgos, des Spooky. C'est ça, ouais. Voilà. Ludo. Ludo. Martin, Martin. Tu l'as invité, Martin. Ouais, c'est bon, il est là. Ludo, Martin, Martin. Et. Sozormat. Sozormat. Après ouais. C'était plus, mais après j'ai plus moi du coup. Ouais. Moi j'ai que 14. Ah oui. Hop. Hop. Ah bah c'est. Normalement c'est au début de la course, c'est au début de la course t'as le classement. Attends, on va hop. Confirmer le changement, on va éviter El Carpetto. Ouais, je vais aller voir le début de la course. El Carpetto, hop là. Voilà. Désolé pour le désagrément. Alors. Désolé. Donc après Martin Martin, t'avais Sozormat. Attends une seconde, option d'hôte. Éditeur de grille. Donc alors attends. Donc après, alors El Carpetto, déjà je monte. C'est combien de place El Carpetto ? Sixième. Sixième, donc juste derrière que t'as. Ok. Donc après Sozormat c'était. Donc c'était Pousse, mais du coup c'est Céline. Ouais. Medizar. Ouais. Et Marquillon. Ok. Confirmer les changements. Ok, que j'ai tout le monde là, parce que... Ouais, normalement t'as tout le monde là, c'est bon. On était 17 au départ. Ok, c'est bon, on envoie des messages. Donc, maintenant, est-ce que tu peux aller dire départ à 43 et vérifier bien vos setups et de bien prendre les mêmes pneus, surtout pour le top 10 en fait. Hein, c'est de même prendre les softs. Hein. Je leur dis ça ? Ouais, passe dans tous les channels et ouais. Dire qu'on lance à 43 et que faites bien son vos setups et puis vos pneus pour le départ. Merci beaucoup. Bah désolé le stream. Bon comme vous le savez, enfin je veux dire pour tous les pilotes de Formule 1, je pense qu'ils sont en mode genre t'inquiète, logique. mais voilà, désolé. C'est comme ça. C'est. Enfin je veux dire, vous avez bien vu. J'ai essayé de quitter la session. Ça voulait pas. C'est un peu comme Jumanji quoi. C'est un peu comme Jumanji. J'étais un peu piégé dans cette petite réalité. Et quelqu'un qui a quitté le 16ème, c'était qui putain. Comment ça m'énerve. C'est qui là. Putain, il tire de grille. George, Arok, Nerzem, Nakta, El Carpetto, Monsieur Shift, Avokni, Minoski, Varkir, ok. Mais non, c'est qui quitte là à chaque fois. Trop bizarre. Ah, je veux dire, à 43, on relance là. Hein. C'est qui bug. Terrible. Désolé à tout le monde. Désolé tout le monde. Petit bug, voilà, c'est Coldmaster. Castor est responsable, voilà, ça c'est effectivement foiré comme ça. Bah au moins on est pas dans le flou, hein. Au moins on sait pourquoi ça met longtemps. Voilà, au moins je suis pas comme Zerkling, je sais peut-être pas ce qui se passe. Mais au moins voilà. Est-ce que. Non parce que 16 attends, c'est bon. Parce que attends, il y avait pas lui et pas lui et pas lui. Il manquait qui d'autre. Il manque qui là. Il manque une Red Bull. C'est Martin. Non. Il est en BTWT.
Yuki. T'es remplacé par qui? Non, c'est Pose. Non, c'est bon. Pose, c'est bon. McLean, sauf Zermatt, il était avec. Oh mince, j'ai oublié. Ah, t'es réplift, incroyable. Ah, ça, t'es pas largué. Bon, écoutez, je. Normalement, ça devrait aller. Hein. Il y a Thomaser qui est en train de regarder tout le monde. Pose en RB. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Pose, donc ça, c'est normal. Ça, c'est normal, ouais, ouais. Merci, Acta. En fait, avec tous les remplacements, j'étais en mode genre, attends, c'est lui qui sonnait. Non, c'est pas lui. Attends, c'est qui? C'est Martin? Non, parce que Martin, il a remplacé lui, machin. J'étais en mode genre, ah putain, c'est qui? Ouf! Merci beaucoup! Ah, c'est fini! Hein. T'es vraiment revenu au bon moment, quoi. Mai 45, mais on lance à 45 la course dans le truc salon pilote là. Ah, bien. Ouais, parce qu'en fait, ouais, on a dit 43. Ah, bah, début de la session. Ah non, non, c'est bon. Non, ah, c'est bon. Non, c'est bon, c'était un bug. Mais 45, et pensez bien au setup. De toute façon, je pense que tu l'auras dit, de toute façon, au bout d'un moment. Hein. Ouais, bah. Je veux dire, on est quand même. Enfin, par rapport à la Liga, je veux dire. J'ai 8h45, quasi. Donc, départ à 8h45, j'espère que vous êtes prêts pour une nuit de folie. Une nuit à passer dans les stands. On va les connaître, les stands, à force. On peut faire peut-être une analyse sur ces stands, hein. Ne pas fumer dans les stands, vous voyez à gauche, il ne faut pas fumer dans les stands. Bien faire attention, bien le bonsoir. Salut Zedex. Zedex. Incroyable. Ce futur champion du monde. Est-ce qu'on mettrait pas une petite prédiction? Vas-y, on met la même prédiction. Tu la remets, Et je mets 3 minutes. La même. Ah non, mais on peut pas 3 minutes. On peut pas 3 mets 2 minutes et puis voilà quoi, je veux dire. Donc safety car. Premier tour, les amis. Safety car, premier tour. Oui. Le non. Plateau va être écourté. Attendez, là, pour une fois, on a retardé. Vous n'avez pas commencé à tous les grands prix. Tu peux retarder, fais un peu en retard. On retarde un peu. On a un bug, donc on retarde. Oh, super, il va être écourté. Non, mais oh, voilà, super. Envie de canner, on fait. Ça a commencé à me prendre le haricot, cette histoire. Il avait des choses à dire, ce sanguin. Non, mais trop, quoi, ça fait de l'air. Incroyable, non, ouais. J'ai rien contre toi, t'inquiète pas. Mais oui, en tout cas. J'ai mis qu'on lance à 45, y'a personne qui m'est prêt. Merci bien, Milgoose qui a mis. Milgoose qui sera donc pas de qualif. Merci. Dommage. Oula, c'est dommage, 29K. Hein. 29K, ouais, oula, y'a du people. Je pensais pas toucher l'ego. Ah, c'est dans le cœur que tu l'as mis celui-là. C'est dans le cœur. Oula, après, j'ai rechargé vite les paramètres, tout ça. Est-ce que j'ai bien mis le. Attends. Oula. Aïe. Le. Non, ça fait non, Gary, ça fait non. Ah, on va enlever un bouton. On va enlever un bouton. Non, ça fait non, ça fait Gary. Attends, c'est quoi là? Non, c'est bon. Ok. Ah, c'est bon. Ouh. Ouh. Allez, on remet le bouton. En fait, il ne s'est rien passé. Allez. Ah ouais, je suis en fou rire, c'est parti. Ah, allez. J'aime bien ces petits moments où t'enlèves un bouton, t'as envie de te suicider, j'adore. Funny. Attends, c'est quoi? Si, Funny. Salut Funny. 2, 4. Non, 2, 3, 9. Incroyable. Salut Funny, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à la VMV. Pour un casque de qualité. Alors là, j'ai un peu baissé le gain, mais je suis un peu transparent. Vraiment, mais tu sais, genre, quand j'ai testé, ça allait bien. Et là, en stream, terrible. C'est terrible. Bah, de toute façon, il faut toujours que ça bug. Hein. Bah, ouais, tu sais, faut bien un truc. Avant, c'était la batterie. Là, maintenant, mais c'est non, bon. Normalement, ça devrait aller la batterie. Hein. Elle est sur secteur, normalement, ça charge plus que ça ne décharge. Donc, normalement, ma batterie sera morte dans 6 mois. Dans 6 mois il faut racheter un téléphone. Dans 6 mois faut leur racheter un téléphone, mais bon, c'est comme ça, hein, je veux dire. Donc on va remettre une barre de dons, les gars. Mais ouais, pour voilà. Un téléphone pour Gary. Au-dessus, les 200 balles pour moi en fait, hein, je prends un nouveau P30. On va mettre un Xiaomi cette fois-ci, une petite 500 balles. C'est... Un petit Xiaomi ? Ouais, allez, un petit Xiaomi. En vrai, les Chinois ils sont forts en téléphone en ce moment là. Ils sont forts, ouais. Bon. Pas de pneus pluie, bizarre. C'est vrai, non, c'est vrai, ouais, c'est. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est vrai que Bastoun relève une bonne question. C'est vrai que là, je me suis dit aussi, Alox en soft,
osé. J'avoue. Donc on a Martin, Sutherland, Céline, Melissa et Varkir en médium. Ouais, en médium. Et Ludo qui a choisi les softs, hein, Ludo. Ludo, ouais, qui s'est dit. Ludo qui a porté ses couilles. Ludo s'est dit non, moi c'est les softs. Moi c'est les softs, je suis 11ème et c'est les softs. En vrai, moi pour moi c'est une mauvaise solution. Hein. En vrai, ne mettre les médiums pour moi c'est la meilleure solution quoi. C'est, pour moi c'est. T'es vraiment. T'es tellement. Enfin, comment dire, tu peux tellement attendre une safety car ou un truc comme ça. Bah ouais. Bon bah on. Bon. Alors on attend qui là. On attend. Bah c'est bon, c'est parti. Montez le volume. Et on se retrouve au premier virage. Et c'est parti. C'est parti, pas drapeau rouge s'il vous plaît. Pas drapeau rouge. On se calme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, ça a l'air d'aller. Oh là, il y a un petit 3 de front. Il y a un petit 3 de front. Oh là, il y a déjà des ailerons cassés. Ça a l'air d'être pâle. Ah, voiture sécurité virtuelle. Pas de safety car. Ça ne compte pas. Attends, c'est pas fini le premier tour. C'est pas fini. On sait jamais. C'est pas fini. Et du coup, alors, est-ce que le bot fonctionne? Je vais est-ce que le bot. Focus and reaction time, please. Bastoun, c'est pas n'importe qui, c'est le roi d'être ne plus à Monaco par temps sec. Ah ouais. Ok, il y avait une blague en fait. Il y avait une blague. On l'a pas encore. Et Selim, Selim 11ème. Selim 11ème avec ses médiums, il a monté une place. Qui c'est qui a monté une place là pour l'instant? Oh, Selim 3 places. Oh, Ludo 5 secondes, Ludo. Aïe aïe aïe, Ludo et Martin Matin qui prennent 5 secondes pour avoir fait une collision. Attention, drive-through. En effet, les drive-through. Attention. Alors, moi j'ai Acta, Sutherland qui ont des dégâts. Aïe, alors est-ce qu'on va vérifier? Attends, on va vérifier. Attends. Ah non, my bad, c'est 18h35. Ok, super. Ok, c'est parti. Oh, Jules. Norzim qui a failli détruire George. C'est George, c'est pas Jules. Oh. C'est George. Ouais, c'est George. George. Allez, c'est parti. Ils font très très peur. Et Selim qui a gagné 3 places pour l'instant. Hein. Selim très très bon, Selim. Hein. 4 places de gagner pour Selim. C'est un monstre. Selim qui part en one man show. Moi je vous le dis. Alors arrête, non, c'est pas ça que je voulais. C'est les pneus. En tout cas, c'est les pneus. On va voir pour l'instant. Donc, les. On a bon Selim, Awakni, Sutherland et Martin. Ah non, pas Sutherland, pardon. Donc Selim. Ah ouais, Selim, Awakni, Martin et Ludo qui sont les stands. Et c'est presque que des gens qui avaient des médiums. Hein. Ouais, ah non, c'est vrai? Oh non, quel enfer! Attends, il s'est passé quoi là? Non, c'est moi qui ai fait un bug, c'est moi qui ai un bug visuel. J'ai cru qu'il y avait une voiture qui était dans le mur. Et pour l'instant, oula, quelle est cette caméra là? Ok, petite caméra derrière Geozoo. Et il y a le petit groupe George qui parle là. Il y a le petit groupe George. Ouais. Par les deux frères. Oula! Oh, Geozoo qui tente! Geozoo qui tente! Ah, et qui est son aileron? Qui casse son aileron aussi, je crois. Et mais, oh là, attends. Il a pas cassé de non, il a pas cassé. Par contre, il a pris 5 secondes ou 3 secondes. Attends. Oh non! Oh, Geozoo qui s'est éclaté! Oh non, Geozoo qui a éclaté son aileron! Oh, mais. Aïe aïe aïe! Il a vraiment tenté! Ah, il a vraiment tenté! Et en vrai, ça allait. Mais c'est vrai que Acta a laissé la place. Geozoo s'est dit pourquoi pas. Et en vrai, enfin, je veux dire, il a tenté. Bon. Bonjour à tous, je suis un collègue de Garay, le BG qui présente la course. Salut Brady. Oula, Norzem. Norzem qui tente. Ah, Georges qui n'avance pas. Et Georges qui n'avance pas. Et Georges qui n'avance pas du tout en fait là. Hein. Ah, mais il a plus l'aileron gauche. Oh, il s'est cassé son aileron. Oh non. Coup de théâtre. Ah, Wakni qui quitte la session. Oh non, mais arrêtez. Hein. Faut rater. Hein. Mais arrêtez. Ah, Wakni, faut rater. George, incroyable. Est-ce que ce serait pas la chance de Norzem? Norzem, je le connais à elle, il me l'a dit. C'est ma course! Non, j'ai quand même. Non, mais... il me l'a dit, voilà! Une petite victoire, je l'ai poussé dans ses retranchements! Et c'est Varkir pour l'instant qui prend une très très bonne course parce que 7 places de gagner hein, pour Varkir. Parce que là, tu vois, genre, Varkir, lui, là, il est un peu loin du peloton, mais il a gagné 7 places! Lui, pour l'instant, c'est lui qui a le plus gagné! Pour l'instant, le seul qui n'a pas gagné ou pas de place, c'est El Capeto. C'est El Capeto qui est très serein, et avec qui rejoint, pour la prochaine fois, il faudra arrêter. Hein. Milgos P7, en effet Milgos P7, ils ont profité des arrêts, hein, de Geozoo, tout ça. Et là les deux frères. Georges qui va bloquer tout le monde. Ouais, et là Norzem. Ah, c'est bon, il pite. C'est bon, il pite. Et c'est l'Hard, de toute façon, c'est l'Hard à mon avis, hein, je pense. Hein. À mon avis, oui, ça va être l'Hard. Geozoo qui a mis les Hard. Et George, on va voir ça. Parce que là, Norzem il s'est envolé du coup grâce à ça. Et Norzem, y a quelqu'un qui sort des stands là. Martin Quoi? Il sort des stands. Ah oui, il a son retard.
Il a un tour de retard. Oh, ah oui. Oh non, il a pété son aileron. Il a pété son aileron. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, il faut laisser passer, il faut laisser passer. Ah, c'est on compliqué. Laisse passer, monsieur. En vrai, c'est vrai non. Que là, à ce moment-là, en vrai, il a peut-être dû laisser passer dans le virage, dans le premier virage. Il a peut-être dû laisser tout se passer. Oh non. Non, mais, non, qu'est-ce qu'il fait? Mais il a pété son aileron, Martin, en fait. Il a pété son aileron. Ouais, mais laisse passer du coup. Ok, c'est pas grave. Allez, on va sur autre chose. C'est vrai, est-ce que Brady. Oh, Acta! Acta! Il a crevé, Acta! Acta qui a crevé! Oh, tout son qui. Oh, Varkir! Oh, Varkir! Oh non! Qui Acta qui a crevé! C'est pas possible! Apparemment, nous avons Shift en croix. Comment ça? De quoi? Monsieur Shift en croix? Est-ce... Non, moi j'ai pas ça. Attends. Non, il est en. Ok. Alors, non, il est pas bugué, on est d'accord. Bah là, pour l'instant, non. Ok, non, bon. Non, il est pas bugué. En tout cas, pour l'instant, Alos qui a 5 secondes de retard sur Norzem, c'est son grand prix, Norzem. Norzem, c'est ta chance. Ne la gâche pas. Ne la gâche pas, mon grand. Prontz, c'est. Oh, Varkir qui a notre doublé Despooky. Incroyable dépassement de Despooky. Et Selim qui a peut-être doublé George. Ah non, qui s'est fait doubler par George, à mon avis. Allez, deux As qui se laissent passer. Et là, pour l'instant, en place gagnée, en changeant de position, c'est Varkir qui a gagné 10 places. 10 places de gagné de la part de Varkir. C'est son grand prix. Tant que je te tiens, je reçois ton colis demain, j'ai reçu un mail. Oh, Brady, d'ailleurs, oui, Brady, que vous pouvez retrouver demain à la VMV à 21h en castant. Non, si, cette le pack demain. Ou je sais plus. Brady, dis-le dans le chat. Informe-nous. En tout cas, El Capito aussi qui reste derrière Monsieur Shift. Hein. Je veux dire, El Capito, lui, là, il est bien. Hein. Ah, mais c'est parce qu'apparemment il bug, mais non, apparemment c'est revenu, donc c'est bon. Mais... C'est revenu, ok. Mais apparemment il aurait des. À par certains moments, des petits bugs. Donc... Ça serait chiant, quoi. Ah, c'est. Surtout quand t'es derrière. Ah, et George qui tend sur Medusa. Voilà, c'est fait. Voilà. George qui a dépassé Medusa, désolé, il lâche un peu. Oh, c'est lui. Oh, mais Medusa, il a freiné ou quoi? Mais oui, en fait, il a freiné, il est passé, en fait, Medusa. Hein. Il ne veut pas concourir. Ok, super. Et Varkir qui remonte sur Milgauss. Et Josu, il fait quoi? Josu, fait quoi? De quoi? Il avance pas? Il avance pas, Josu, là? Il a cassé son aileron, Josu. Il a cassé son aileron. Il a encore recassé. Ouais, il a recassé. Aïe 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 aïe. Rapide, mais trop rapide. Trop rapide, le petit Josu. Et c'est Varkir, hein. Ah, virtuel. Oh. Attends, mais j'ai. Et du coup, attendez, parce que là, j'ai même pas mis la prédiction, moi. Ah oui, c'est non. Brady, Ligue B, le pack Ligue A. Liga également, d'ailleurs. Ah oui, ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, oui, voilà, c'est moi. Incroyable. Brady, très très belle personne, hein, on peut le dire. Je veux dire, avec sa voix. Je veux dire, Brady, quand tu l'entends, c'est le padre. Tu vois, c'est le padre. Le mec, il a 40 ans. Ça fait. Voilà, c'est. Je veux dire. Et là, Brady, tu vois, là, quand il casse, il est là. Le mec, il a. Je veux dire, il a vu la naissance de l'impro, ce mec. Ouais, ça va, toujours dans la vie aussi. Toujours plus. Par contre, moi, j'ai pas le petit message en haut à droite qui dit safety car virtuel ou safety car. Hein. C'est. Ah bah, moi, oui. D'accord. Nickel, un casque de qualité en tout cas, on vous l'a dit. tu vois, moi, quand je step up avec ma caméra, c'est le jeu qui se bon, qui c'est donne. C'est reparti, c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Moi, je me fais par rapport à la map maintenant. Et c'est Varkir qui est très très près de Milgauss. Hein. Varkir, mec, c'est médium, mais il fait un truc de malade. Hein. Incroyable. Ouais, mais attention qu'il a utilisé beaucoup de RS. Ah, j'ai pas mis. Medusa derrière George. Attends, George l'a recassé. Parce que, attends. Non. Mais si, il a recassé. Ah ouais. Oh, les frères George. Et Medusa, en fait, il a tout compris ce qu'il fallait faire. Il est George, juste en fait, il laisse passer et il se dit c'est bon, arrêtez de me faire chier. Arrêtez de me faire chier. par contre, c'est El Capito qui est sorti de DRS. Et c'est Alos qui revient vite fait sur Norzem. Et Varkir, par contre, sur Milgauss. Hein. Varkir sur Milgauss. Ouais. Ça, c'est fait. Ça, c'est. Oh non! Oh, oh, mais j'ai on non a vraiment, on est mais j'ai l'archuma. J'ai la archuma. Attention derrière. Oula, c'est bon. Non, il passe pas. Il passe pas. Mais vraiment, c'est des Spooky qui à l'attaque. Contre Varkir, attention avec les pneus chauds. Attention avec les pneus chauds, Varkir. T'as gagné 10 places, mais fais attention.
En vrai, moi je suis Norzem là, je sais pas c'est quoi le rythme d'Alox par rapport à lui, mais je vais essayer de gérer. Il le rattrape Alox doucement, mais il le rattrape doucement là. Et là, il y a genre qui doit laisser passer Alox qui le fait, mais n'empêche, enfin, je veux dire, quand je vois le rythme de Despooky, j'ai l'impression de voir le mien et je me dis que j'ai de la chance ce soir quand même, j'ai quand même de la chance. J'ai une chance peut-être de finir la course et pas être dernier. Et c'est Awakni sur Medusa qui arrive sur Medusa Awakni. Hein. Ouais. Un sketch, la course est déjà folle, est déjà plus folle que la réalité, je ne peux m'en remettre. Un sketch nous dit la fessée. Ah bah écoute, faut prendre le volant mon grand. Hein. C'est, ouais. C'est genre Norzem, il gère pour l'instant, en effet. J'ai totalement foiré les deux dernières courses, je suis passé quatrième avant la montée. Ah terrible. Pas de casse total, bravo, c'est tendu. En vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'abandon. Il parle de son âge, Brady, ou de la course quand il dit c'est tendu. Oula. Oh. Oh. Est-ce que Medusa, du coup, va laisser passer un Rockney ou pas? Non, ouais, c'est... désolé, Brady. En tout cas. Parce que si on clash en live aussi. Je me fais clasher en live, ça tourne mal. En tout cas, un Rockney qui se rapproche de Medusa. Et bah, je pense que Medusa. C'est Ludo aussi, hein. C'est Ludo, il y avait un groupe Medusa, Rockney, Ludo, ça va être très très bien là. Mais s'il va laisser passer Medusa, moi je crois que oui. Oh, je pense, hein, je pense. Attention. Hein. Menuzar, lui, il est juste en mode, les gars, je finis ma course. Hein. Shift, croix rouge, bordel, il bug. Aïe, alors attends. Mais ah, ouais, croix rouge, ouais, croix rouge, allez. Ah, oui, là, oui. Ah, mais... ouais, ouais, non, c'est. Ouais, faut pas. Ouais, c'est. Oula, oula. Oh là, ouais, ouais, allez, abandon. Allez, Thomas Zer. Un petit abandon de la part de monsieur Shift. C'est fini. C'est fini. Okay. Allez, finito, on rentre au stand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci beaucoup, Firma. Merci beaucoup. Je pense que la feed met tout le la met à tout le monde dans le lobby. Peut-être, c'est vrai, c'est peut-être. Quand vous avez le temps, pensez à la prédiction, les poteaux. Mais normalement, elle a été validée, non? Elle a pas été validée encore? Terrible. Terrible. Thomas Zer, j'ai engueulé. Prost me doit tout, je vais lui donner son privé baquet. Ah, c'est sûr. Non, mais moi, quand. Je veux dire, à chaque fois, on enlève dans le documentaire à ce moment-là, mais à chaque fois, moi, je les vois dans les images d'archives, Brady à chaque fois dans le garage avec le cambouis sur la tête. Ouais, si j'étais rentré. Ah, c'est bon. Et alors, il paraît que la prédiction n'a pas été validée, il paraît, non? Non, elle était validée. Ah, elle a été validée, ok. Donc, c'est juste que Basico me ment ouvertement, d'accord. Bah, en tout cas, c'est une place de gagner encore pour Varkir. qui est juste smurf ouais. Hard. Et là, il y a Awakni, Medusa, Despooky. Attention, il y a même Ludo qui va arriver derrière. Il y a un petit roue pour la 8ème place, c'est parti. Hein. Bientôt pour la 7ème virtuellement. Et il y a Varkir qui revient sur Milgauss. 9 tours, c'est vrai que les softs, ils font combien de tours les softs? Ah, Despooky qui s'arrête. Ouais, en vrai, 10-11. Ouais. 12ème, ça a commencé. Despooky qui a dû casser son aileron, je pense. Hein. Ouais, Despooky qui a dû casser son aileron. Et Varkir qui remonte sur Milgauss. Oh là, Wagner qui a failli casser son aileron. Attention, Varkir sur Milgauss. C'est beaucoup de reste, hein. Parce que ici, en fait, on le récupère pas beaucoup. Donc au plaisir, juste pas aimé les me connaître encore. Ah, ouf. Allez, hop, on cut le stream. Non, t'inquiète. T'inquiète pas, Firma. Ça va aller. Oh là, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a eu un truc avec Medusa. Attends, mais c'est pas le bot. C'est pas le bot? Ah, le bot de Monsieur Shift est sorti! Ah non, il n'est pas ressorti! Ah, je pense qu'il est sorti parce que j'ai vu un drapeau vert. Oh c'est... non! Bah après, il a peur d'avoir cassé quelqu'un, donc ça va. El Capeto au stand! El Capeto au stand! Il va peut-être faire un petit undercut. Varkir. Oh, Varkir, il est tellement plus rapide que Midgauss. Carpeto du coup au stand, ouais. Est-ce que Medusa? Medusa ne sortira pas devant, c'est impossible. Impossible. Non, il est déjà sorti. Hein, ouais, mais là, c'est vraiment spread sur tout le circuit. Hein. Ouais. Par contre, Alox qui a mis une vraie distance à Milgauss aussi. Parce que comme il défend Milgauss, là, les deux premiers ont mis une distance, on dirait la MotoGP. Incroyable. Il n'y a pas eu de safety car du coup jusqu'à présent. Il y a une safety car virtuelle, c'est vrai. Mais pas safety car. Il y en a eu deux, ouais, deux virtuels. Et là, il y a un petit groupe hein. Medusa, Wakni, Ludo, Selim. Pour la 7ème place, c'est très très chaud. Hein. Et là, Varkir, faut juste qu'il attende. Faut juste qu'il attende un petit peu. Comment dire, qu'il attende juste. Oh là, attention derrière Milgauss. Milgauss là qui change. Je pense que ses softs sont en train de mourir. Bah ouais. Sois patient, Varkir. Sois patient.
Ah moi je suis Migos là, je rentre hein, malheureusement. Je pense que pas ouais. Trop le choix, hein. Bah t'écoute pas, il t'écoute pas, il est fait encore un tour. Et alors qui veut peut-être undercut Norzem ou au moins gagner du temps sur Norzem. On va voir à sa sortie. Attends, il sort où là? Il sort devant Sozermatt. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, enfin, je veux dire, Sozermatt, lui qui a fait qu'un tour en 1.17 et qui est maintenant 5ème, hein. Juste ouais, c'est ça. Ça hein. C'est Et la bataille pour la 7ème place est en train de se spread, hein. Medusa qui est en train d'accélérer pas mal, hein. Ou ça se bat, je sais pas quel est le pourquoi du comment, mais en tout cas. Oh non, Ludo! Qui part un peu trop large! Non, c'est bon. Est-ce qu'il a cassé Ludo? Je ne pense pas. Je pense qu'il a pas cassé Ludo. Non, il a pas cassé Ludo. Il a pas cassé. Undercut et tu finis dans le trafic. Overcut, undercut. Bah, ça dépend, hein. Ça dépend parce que là non, le trafic. Alors, Markir, là il est tout proche là, Markir. Ouh non, oh, allez. Attends mon grand. Varkir, attends. Ouais. Faut attendre. Ça va. Ça clique pas là. Y'a pas l'avertissement. Je pense qu'il y a eu un avertissement hein, d'un des deux. Hein. Mais là, Varkir, faut qu'il attende. Hein. Faut qu'il attende, Varkir. Ouais, Varkir, il faut parce qu'il attende. Parce que là, Norzem qui s'arrête. Et Milgo qui va s'arrêter aussi. Allez, freine un peu plus tôt. Voilà, il va s'arrêter. Voilà. Moi, ça me fait toujours peur quand il y a un mec qui tombe comme ça. Parce que là, il a plus freiné qu'autre chose, donc. Et Norzem qui a alors, Anox. Devant. Alors, Anox. Attends, mais. Ah, il est déjà sorti. Ah, ouais, non, mais. Ah oui Norzem qui. Oh. Ah, oui, non. Ah, bon, okay. Norzem qui ressort juste derrière Varkir. Aïe, aïe, aïe. Ah, après, dis-toi que Varkir doit pute, donc. Ah, mais il pute pas maintenant. Il pute pas maintenant, il a des médiums, hein, Varkir. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Donc là, moi, en vrai, je serais Varkir, je laisserais tellement passer. Et là, tu sais, genre, je resterais derrière Norzem. Je resterai derrière Norzem et je serai le train. En vrai, ouais, je suis Varkir aussi parce que je laisse passer parce que. En vrai, tu le sais, ça lui sert à quoi? Ouais, dire, tu sais, ça sert à quoi? T'as déjà gagné 13 places sur la course. Mec, sois pas. Enfin, je veux dire. Connais ta limite, quoi. Je veux dire, Varkir est. Je pense, là, sur ce grand prix-là, un peu plus rapide que Norzem. Je pense. Après, peut-être que je me trompe pas. Ouais. Mais je pense. Après attends, là il est en train de me faire il vient de sortir Norzem de son DRS là. Ah oui. Allô. D'accord. Ouais bizarre. D'accord, bah écoute Norzem en plein smurf. Enfin Varkir en plein smurf hein. Ok, bah écoute le ouais, bot est bugué. Il faut qu'il mette combien de secondes. Alors en fait le bot est bugué oui parce qu'en fait on a redémarré. Donc le bot ne peut pas marcher. Ça me paraît logique. Mais... Matin qui a deux d'avertissement. On peut faire un petit point avertissement, c'est sûr, voilà, pénalité. 9 secondes pour Abakni, 6 secondes pour Geozu et 3 secondes pour George. Par contre, les deux Geo qui sont vraiment dans une. Comment dire? Dans une panade. Ils avaient pas de train tous les deux. Bah si j'ai. Oh! Oula! Ludo! Qu'est-ce qui s'est passé? Oula! Il a speed? Oula Ludo qui s'est TP juste derrière! Oula, attention! Non! Bah tu sais il y avait Selim et d'un coup le team était devant Ludo. Genre c'était Ah ouais pas mal. Ludo ouais pas mal. Ok petit rollback. Donc comme vous le voyez là Selim avec deux arrêts. Norzem est revenu sur Varkir. Ouais. Bah je pense que tu sais faut un tour pour chauffer les pneus quoi. Ouais. Pour parce que en vrai tu sais tu passes du soft un peu usé à des médiums c'est un peu sur le coup tu vois genre tu dois pas être super heureux. Bon, en vrai, Varkir à chaque fois. Pas arrêté, non, Varkir s'est pas arrêté, je peux vous le remontrer. Il y a Varkir, Sozermatt et Medusa ne se sont pas arrêtés encore. Et Acta qui est passé Jiozu. Donc il y a encore du cassé, je sais pas. Et c'est lui qui a 2 dixièmes de Ludo. Ah, bah, sont les deux. De... Après, George, lui, il peut être absent 2 grands prix, il sera encore premier. Hein, je veux dire. c'est. il peut prendre ses vacances jusqu'à la fin de la saison, il sera encore premier, je peux te jurer. Hein. Ah, y a pas trop. Ah, si, à part Awakni et Norzem, y a pas trop de bataille. Bah, là, y a Selim qui est juste derrière Ludo. Mais c'est tout quoi. Awakni, virage coupé. Ouais. Awakni qui a 12 secondes de pénalité. Hein. Il a autant de secondes de pénalité que de tours sur ses médiums. Hein. Ah, on peut ouais, le dire. 12 secondes, ah ouais. Ah, c'est dur. Hein. Varkir, c'est pas encore arrêté. Ouais, c'est pas encore arrêté, Foxer. Bah, là, c'est. Et Norzem qui n'arrive pas à dépasser Varkir. Et surtout que Alox il revient sur Norzem là hein. C'est vraiment bizarre comme c'est le seul GP où
Le mec devant toi il est plus lent et tu peux pas le dépasser quoi. C'est... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai au stand encore. Ça... Ah non, mais Joe il avait cassé, c'est sûr. Quand j'ai vu Acta okay. passer, je me suis dit. Bah, surtout que là, Acta aussi, là, il. Comment dire. Là, il a déjà 10 sur ses hards. Est-ce que des hards peuvent faire, faire 39 tours? Ah, Varkir, il s'arrête! Attends! Il s'est mis des hards, Varkir! Pourquoi? What? Il a dû casser, non? Non, non, même pas! Carpet, il sort devant lui ou pas? Ouais. Ouais, il sort, ok. Et juste devant Midgoss. Sezormat aussi? Non, juste devant Midgoss. Et Sezormat? Ah oui, Sezormat qui. Ah, mais lui, il a cassé son héros, mais Sezormat. Ah, ok. Et Medusar, qui ne va, il ne va pas le passer, Medusa. Donc là, Sezormat, il a un arrêt gratos presque, hein, Sezormat. Oh, Bakti qui s'arrête, et Ludo qui est passé, et Céline pareil. Est-ce que Ludo. Ah, non, Sezormat. Oh non, Sezormat qui a recassé! Mais non, mais. On s'entend des stands, il a recassé, Sezormat! Là, il faut être intelligent et. Parce que c'est ce moment-là. Ouais, il a recassé encore. Oh là là. Oh, vous êtes en sécurité! Derrière lui, hein. Vous êtes en sécurité! Oh! Voiture de sécurité, pourquoi? Attends, il y a une voiture là derrière, Spooky? C'est Spooky? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui! Il est en 90 degrés. Aïe. What the fuck? Eh, ça relance tout ça, hein? Ça relance tout, et là, Nanzem qui s'arrête, il a raison! Attends, il va mettre les. Non, quoi? Pourquoi il s'arrête? Ah, mais Alox, il s'arrête pas. Mais non, mais arrête-toi pas, qu'est-ce qu'il fait? Moi je suis Carpet, tu m'arrêtes pas. Ah mais il a cassé son aileron, Norzem. Oh, ça l'a sauvé. Alox, il a pas cassé son aileron. What? Attends, mais il se passe quoi avec Alox là? Ah, il se passe quoi avec Alox? Il était en bug. Attends, il y avait un bug, Alox. Est-ce qu'il avait 5 secondes? Oh, et Varkir qui dépasse Norzem ou pas? Ah oh, et mon a El Carpeto, Varkir premier, mais qui aurait dit 1000 gouttes ça? Genre, on dit 7ème tour, qui aurait pensé ça? Genre vraiment, what the fuck? Quel grand prix de folie, les gars! Non, mais Norzem, il a tout perdu! Après, il a tout perdu, Alors, oui et non! Oui et non, parce que il a tout perdu, ouais. Mais il avait cassé son aileron aussi, hein! Donc, est-ce qu'il aurait pas ouais, non, perdu d'accord. après, tu vois, genre, ton, non, ouais, tu vois le sens mais... dans lequel je réfléchis? Hein c'est ouais, là, ouais, c'est là, vrai, là c'est il a cool, perdu mais... à court terme, mais je pense qu'à long terme, il serait peut-être pété une roue, quoi! Pour que tu vois qu'il y a une SC, il faut que tu mettes pause. Ouais, faut faire pause. Ah ouais! Merci Basico! Oh Basico, ingénieur des ingénieurs, bien joué. T'es Basico, c'est un peu le mec à chaque fois qu'on apprend l'informatique. Basico! J'ai pas internet là, qu'est-ce qui se passe? Ok, attends, tu vas le repro- dans le proxy. Oh, mais bizarre, il est passé genre. Bah, peut-être que. Ah, ouais. Peut-être que, tu sais, en sortant des stands, il a passé vite et qu'après, fallait relaisser passer, tu vois, genre, je parle un truc comme ça. Ah mais du coup là elle va faire attends donc là le dernier c'est Martin. Martin qui passe seulement la ligne. Donc ah, là la sécurité peut ça veut faire. C'est à dire qu'il y a personne qui a pris un tour aussi hein. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est vrai. Incroyable parce que c'est à dire que personne n'a pris un tour. Pourtant, déjà c'est trop bien. Pourtant un tour sur Monaco c'est facile en vrai. C'est facile ouais c'est très très facile et c'est Brady qui m'a donné la combine. Et tu vois. C'est toujours Brady aux origines, tellement. Enfin, je veux dire, c'est toujours Brady aux origines, c'est incroyable, tu vois. Genre, c'est, ce mec a créé le cast en Formule 1. Ce mec, c'est. Non, mais. Non, mais. Je veux pas que c'est le gars qui a créé le micro, tu vois. Pour rigoler. Lui. C'est pas celui qui a créé le compresseur, par contre, hein. C'est, ça, c'est sûr. Et non, il y a bien quelqu'un qui a pris un tour, et je comprends pas pourquoi. Et alors, ben, je suis. Je bah sais non. pas pourquoi, mais Martin a pas pris de tour, mais il y a des Spooky, les gars. Ah, mais non, attends, mais non, maintenant, mais Martin a pris un tour, il est encore plus en retard. En fait, il allait prendre son deuxième tour, Martin, en fait, là. Ah, ouais, il allait prendre son deuxième tour, Martin. What the fuck? D'accord, ok. Ah, mais là, Spooky, s'il a eu bien les règles, je vais peut-être lui signaler. Je vais peut-être devoir aller lui signaler, mais ouais, de laisser signaler, bien ouais. passer tout le monde. Ouais, va aller signaler. Dans la ligne droite. Avant de passer les droites, il laisse passer tout le monde. Mais au pire, tu sais, il se met au premier virage. Tu sais, il s'arrête au premier virage à l'intérieur. Au pire. Non, mais il se met à côté dans les droites. Il ralentit très fortement les droites. Je sais pas. Il choisit, de toute façon, il choisit. Hein. Sauf pire, mais va lui dire. Et Loulou, salut Asmod. Si tu veux venir Asmod, hein, n'hésite pas. Brady, il jouait déjà à F1 1980. Oh, ça, c'est facile ça.
Ça, ça va. Je veux dire, tu peux tenir en... Yeah, j'arrive, incroyable. Mais par contre là, c'est George qui se frotte les mains. Une petite invite. En effet. C'est vrai. Hop. Attends. T'es où? Je le vois pas. C'est VM Vasmode? Non. Vasmode là. Matin qui allait au stand? Oh, quoi? Non. Ok, trop bizarre. Il s'est pris 5 secondes pour. Trop bizarre ça, non? Mais attends, là, le stream il s'est pris 5 secondes alors que. Bah attendez, genre. Il s'est pris 5 secondes alors qu'il était même pas dans les stands? Attends. Il m'a tué. Attends, y'a Martin là qui s'est pris 5 secondes pour avoir coupé la ligne des stands alors qu'il est sur le circuit. Je. What? Allo? Ah oui, c'est super le jeu. Ah pas mal. Oula, alors là. Du coup, ouais, non, j'étais avec des spooky qui étaient très très contents d'avoir ce jeu en tout cas. Ah ouais? Qui avaient envie de crever quoi. Ah ouais, bah on comprend. Mais il m'a dit qu'il avait l'habitude de se faire baiser par le jeu donc. Ah c'est tout bon. Ok. Donc c'est bon. Alors est-ce que ça va reprendre du coup là? Bah oui, parce que là, hein. Y a une c'est McLaren tours, hein. Qui est très loin. C'est 3 tours. Hein. C'est bon. Bon, c'est une McLaren très loin. Ouais. Bah je sais pas, il était loin. Il y avait au moins 3 secondes. Ah oui, non mais. Ça va prendre, hein. Ça va prendre là, hein, je pense. Hein. Ouais, j'espère. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon, ça va être magnifique. Ah, t'as du message toi? Hello, j'arrive. Ouais, 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 y'a. Réinvite-le peut-être à ce moment parce que t'es. Oh non, bah lui, oh non. Ah, c'est. Si. Attends, quoi, il faut l'inviter dans le. Je crois que j'ai déjà invité, je sais pas si ça a marché. Réessaye de réinviter peut-être que. Attends. Mais ouais, voilà, la grande rentrée de Asmode. Qui va. Au moins, il est là, hein. Oh! Oh non, pas lui. Ah, super bonne ambiance. Bon, ben je retourne sur les bouchons. Dans les bouchons, y'a pas de problème, les gars. Ouais. Ben, c'est bon, des spooky qui est passé tout le monde. C'est reparti, des spooky qui est passé tout le monde. Et El Capeto en première place. El Capeto. Je suis en train de louper la relance de safety là. Oh, derrière. Oula. Ah, c'est Milgo, c'est des spooky, j'en dis. Ok, c'est bon. Oula, ça bouge beaucoup. Et bon, c'est Milgo qui s'est fait éteindre par. Ah non, parce que oui. Ouais, mais je pense en vrai, il y a des spooky. Il y a des spooky entre les deux, c'est vrai. Comment ça va, petit Asmode? Bah écoute, ma foi, plutôt fatigué, mais ça va. Ah écoute, t'inquiète pas, au moins t'as fait l'effort de venir, hein, je veux dire, t'es pas obligé, donc c'est beau. Non, c'est mais beau. Ça me fait à cœur de venir. Bah là, quand même, t'as loupé une première partie incroyable, hein, vraiment, c'était. C'est vrai ou. T'as loupé. Non, si, vraiment, c'était vraiment. Il y avait vraiment des rebondissements un peu partout. Et surtout des qualifs de qualité, avec des gens qui n'auraient pas les herbes jaunes, c'était vraiment incroyable. Ouais, les gens qui rentrent dans d'autres gens, c'est vraiment. Ah, c'est. Ouais, on a vu des Peggy 18, et là, c'est Ludo qui dépasse Medusa. Oh! Oh là! Oh derrière, oui il se passe des dingueries derrière. Oh derrière, j'ai qu'est-ce qu'il fait? Ouais, What the fuck? Il a voulu déplacer Acta? Il a cassé son aileron Acta? Ouais, mais oui, bah oui. Il a cassé son aileron. Oh Acta aussi. Oh là. Mais non, mais Géo là il va prendre. J'espère qu'on va faire des réclamations parce que. Ah là... c'est. Oh non! Oh mais what the fuck? Medusa, il a cassé. Je crois que Asmode a cassé son aileron. Ah c'est Medusa peut-être. Bah ouais, Medusa s'est arrêté et Asmode. Ah j'ai cassé sur Medusa. Ok. J'ai dit Asmode. Oui. Nickel. Je sais que Shift abandon, c'est normal. Donc oui, c'était pas Acta, mais c'était Medusa qui avait cassé. Pour l'instant il y a eu zéro abandon par crash, hein. Monsieur Shift c'est juste pour avoir sa cour. Ah dommage pour lui. Par contre Norzem là il est en train de perdre un temps monstrueux sur Milgos. C'est terrible, hein. On vient de lui voler sa victoire. Ce qui est bien quand même c'est Barkir avec ses hard 5 tours. Ah bah Barkir, même quand tu regardes ses places gagnées, tu regardes hein, 14. Ah oui 14 places gagnées pour Barkir, hein. Oh attention, c'est Yemlu. Attends, Milgos aussi qui fait une très bonne remontée. Bah Milgos et Barkir, c'est vraiment les deux pilotes qui ont juste été en mode, tu sais, genre ils ont vu la garde autour d'eux et t'es en mode genre let's go baby, I run my way. Et du coup, ceux qui ont du mal là, c'est Jorginho et Géosu là. Ouais. George et Géosu, bah tu peux voir le nombre d'arrêts qu'ils ont fait, hein. Ah là, Georges, il est carrément sauvé par la Sudica. Ah ouais.
Ah oui, arrêt. Ah oui, ah oui, d'accord. 4 arrêts. 4 arrêts pour Joe Suite, 2 arrêts pour George. Et c'est dommage, je viens de voir la Lox qui était partie deuxième, c'est ça. Oh, t'es spooky sur Martin. Oh non, pas à deux, les amis. Ah oui. Oh, ouais. Oh, Martin qui a glissé. Il a failli. Il n'y a pas beaucoup de déplacements là, c'est vraiment de la file indienne un peu là. À la file indienne. À la file indienne. Mais comme dit Ferma, ouais, Shift avec une connexion. Oui, c'est sûr qu'avec une. Vraiment, il avait le podium en assuré, monsieur Shift, c'est dommage. Ah, hein, je veux dire, c'est. Mais c'est vrai que bon, Orange fait les bons prix niveau fibre. Donc, Si jamais ça l'intéresse. Si jamais ça l'intéresse, moi ça marche bien. Mais Medusa qui rentre au stand et Geosu qui rentre au stand aussi. Hein. Encore ? Ah non, c'est... Mais. Geosu, fait... 5ème fois. Mais non, mais je suis sûr, Geosu, il fait des dingueries. Je sais pas, mais. Il remet des médiums. En vrai, je suis sûr, il tombe dans des endroits, c'est pas possible. Je pense qu'il est pas assez patient, Geosu. On a presque 50 viewers, les gars ! Bravo ! C'est beau ! C'est parce que je viens d'arriver, ça. C'est beau ! Ah, c'est l'arrivée d'Asmode, hein, c'est sûr. Ouais, bah oui. Attention là, la sortie des stands. Ouais. Allez, Alox. Alox sur Norzem peut-être. Ouais, Norzem il n'arrive pas. Ah si, attends, il y a la question longue dans Norzem. Ah non, non, c'est bon. Non. Non, parce que normalement il était tout près de. Ouais, peut-être pas que je dise encore parce que ça va peut-être m'arriver. Oh, secteur 1, c'est qui? Ah, mais attends, mais là, monte. Oh, c'est Zormat. Le problème là, c'est qu'il y a Géo. Oh, c'est Zormat tout seul, t'as. Ok, c'est bon. C'est bon, bien joué. Attends, là, il y a Géozou et Medusa là qui gênent. Drapeau bleu les gars, drapeau bleu. Oh putain. Non non, ouais, mais vraiment de... Il bouge pas. Ils sont en train de ralentir. Ouais. Bah là pour l'instant bon c'est compliqué pour. Après c'est pas l'endroit, mais... après c'est pas l'endroit. Non oui. Là va falloir qu'ils se mettent sur un côté et qu'ils laissent passer. Hein. Allez on laisse passer là. Allez. Non ça met tout là. Ça met tout. Oh mais non mais il va retenter hein, il va retenter. Et nouveau, là, vas-y, et voilà. Et nouveau follow de Gitane. Et nouveau follow de Gitane. Ah bon faut laisser passer. Hein. Faut laisser passer. J'ai reçu qui a cassé son aileron sur Medusa. Je sais ouais. Faut laisser passer. Allo. Mais il laisse pas. Ah si ça y est. C'est bon, c'est bon. Par contre Medusa non Medusa. Ouais. C'est bon. Drapeau jaune. Attends qu'il s'est fait. Non c'est Geozu. Ah t'inquiète pas. C'est Geozu. Attention et merci beaucoup à Gitane 97 pour le follow. Merci beaucoup. Allez Medusa, faut bouger. Medusa il fait les affaires de Varkir et de El Carpeto là. Ah ouais c'est sûr. Allez faut bouger, voilà c'est bien. C'est bien, ah, ça c'est tellement... bien. Oh là là et du coup derrière ça a créé un petit train-train, ça déroule. Ah, ça... Medusa il a pas cassé son aileron sur le mur quand même. Ah si je crois. Et si. Ça a cassé son aileron d'abord de Medusa. Il a voulu laisser passer tout le monde. Dommage. Ça me fait penser pour voir si pas l'overlay. Comment ça? Ah merde. Ah le barlet qui est désactivé. Ah bah ouais bah y'a pas de... ouais. En fait c'est que je désactive pour le blabla et je vais le réactiver pour le stream 1. Voilà c'est pour ça. Donc on a avec blabla ce soir. Voilà. Mmh. Désolé. Terrible. Ouais c'est vrai. Pourquoi y'a pas d'overlay les gars? Bah alors on a pas payé un graphiste pour ça. Oh 5 secondes pour jouer au jus, ligne des stands, sortie des stands coupée. Oh là là mais il a du mal hein. Et regardez-le. Ah ouais abandonné. Allô. Ah d'accord, il a abandonné sur la piste. Hein. Il a abandonné sur la piste. Je. D'accord. Voilà, je lâche ça comme ça. Oh non. Desuki qui a cassé son aileron encore. Ah ouais, ok. Bon bah, Geozu, oh, on verra. Oh plus bah tard. Là, il a tout lâché. Il y a Desuki qui est aérodynamique maintenant. Oh bah là, et comme ça vous en mettez derrière lui, ils sont pareils les deux. Oh non. Il y a Martin qui va arriver sur Geozu, ça va être un enfer. Après, je pense que. Non, il va aller tout droit le bot de Geozu là. Ouais. Logiquement. Oh là là, ouais Martin du coup, ouais, c'est bon. Et il a cassé ou pas? Ou il avait déjà cassé? Je sais pas. En tout cas, là il y a une bataille pour la troisième place, hein, parce que là il y a 6 secondes d'écart entre Milgos et entre Varkir et Milgos. Là vraiment c'est... Oh, Varkir qui a roulé son aileron, j'espère qu'il a pas cassé. Aïe. Oh non. Pas après tout ça. Pas après tout ce que t'as fait. 5 secondes malheureusement. Si vraiment avec sa roue avant gauche, il a roulé dessus. Attends, là-haut. J'ai eu peur de la roue arrière droite là. La roue arrière gauche, pardon. Non, je pense que c'est bon. Ça a l'air d'aller. Sauzermat qui s'est doublé pour, au stand, ouais. Ok. Ouais, non, bah oui, c'est lui. Belle oui, bataille au stand en tout cas. Ouais, au stand, il y a vraiment un truc de ouf. Hein. Geozu passera en commission malheureusement pour lui. Ah bah, c'est sûr que là, la commission. Là, s'il n'y a pas de réclamation, je comprends pas. Ah bah oui, non, mais là, c'est. Je veux dire. Eh pour le podium, c'est incroyable. Il y a même Awakni qui arrive derrière. Bah là, il était derrière, mais là, je pense que le rythme de Milgos, Norzem et Alox, c'est vraiment beau. Morkir, il va y aller ou pas? Ah, il peut pas. Oh, virtuel hein. Ah oui, virtuel Sessica.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Medusa, non! Attends, Medusa était au ralenti, je crois. Medusa, ah, non. Si, bah, enfin, il a un bout d'aile rond. Attends, oui, si, il rentre. Il a un bout d'aile. C'est sûr que c'est Medusa qui a pris. Ouais. Ah, il rentre, ouais. C'est moi qui ai mais record d'arrêt au stand. J'espère que Mercedes était chaud. Hein, parce ah ouais. Que, Ah bah là, ils ont eu de quoi s'entraîner là au niveau des arrêts. Pas mal les arrêts, hein. Je veux dire, 5 arrêts pour Martin. On est pas mal. Hein. On est sur une bonne note, plaque. Bon, on va voir niveau pénalité. 12 secondes par Wakni, parce que ça faut aussi le dire. Hein. 12 secondes par Wakni. Ouais. 3 secondes pour George, 10 secondes pour Ludo, 5 secondes pour Netsuki et 3 secondes pour Martin. Et niveau place gagnée, c'est 14 places de gagnée pour Varkir. Et c'est reparti. En position, Varkir qui avait bien repris par rapport à Ricard plus tôt. En position. Et du coup, c'est Milgos aussi avec cette VSC. Il est passé de 6 à 4 secondes. Hein. Il a repris un peu de temps, il a repris une seconde. Ouais, c'est vrai qu'il a repris une seconde. Hein. Donc, en même temps, quand t'es dans les premières places, t'as 5 secondes d'avance, tu dis bon, vaut mieux que ce soit une seconde d'écart. Oui, voilà, ah, Norzem, pourquoi pas Norzem avec une bonne relance? Ah, mais Norzem, faut qu'il y aille, mais le problème c'est qu'il faut pas tuer Migos, quoi. Ouais, c'est compliqué à dépasser. Là, c'est impossible, hein. mais c'est impossible. C'est impossible à dépasser. C'est vraiment impossible. Là, c'est. En fait, vraiment à l'erreur, hein. À l'erreur. Ouais, c'est ça. C'est que. Là, maintenant, Norzem, il avait la possibilité de gagner. Et là, la CTK l'a vraiment assassiné. Est-ce qu'on fait une autre prédiction? Est-ce que Masmode, t'as une petite idée pour une prédiction? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme prédiction? Qui finit sur. Oh là là. Oh non! Mais Southermatt qui bloque tout le monde, ça a pété l'aileron. Quoi? Mais oula, qu'est-ce qu'il fait Southermatt? Oh là là! Il a pété l'aileron de Milgos. Mais non! Ouais. Non! Si. Milgos a l'aileron de péter. Hein. J'ai la dernière ligne! Qui revient! Je suis revenu d'une façon! Oh genre qui fait là des là arrêts et qui est toujours derrière. Et qui est septième? Pas de soucis pour lui. Ah là là, et oui, c'est l'aileron en moi pour Milgos! Oh bah là, il va falloir s'arrêter là. Il faisait tellement une si belle course, Milgos! Et Martin qui se reprend le tour! Ah, et Martin qui est au stand! Martin au stand! Est-ce que Milgos il rentre? Non, il rentre pas! Et là, il faut y aller! Là, il faut y aller, Norzem! Là, il faut y aller! C'est ton moment, Norzem! C'est ton allez, moment! Il faut y aller là! Et non, il pourra pas! Et il a très très bien défendu, Milgos! Il a très très bien défendu! Et là, maintenant, tu sais, ça va être un peu comme. S'il fait pas d'erreur, ça va passer, hein! Ah bah là en vrai ça va être un peu comme Ricardo qui manque une botte de vitesse, tu vois, genre c'est Ouais, c'est ça. Ouais, Norzem ? Ah non, en vrai Calme-toi. Attention. Et du coup c'est George qui a recollé, hein, c'est George. Hein. C'est George qui a recollé, c'est vrai. Oh, c'est qui ? Spooky, il fait quoi ? Oh, il avait, je pense qu'il a fait un petit détecteur tranquillement. À l'abri de. De tout regard. De tout regard, c'est ça, il dit pas besoin de me voir. Ah la Norzem, faut qu'il. Du coup, Milgos il va ralentir tout le monde et t'as Acta qui arrive derrière. Ah ouais, t'as Acta qui arrive. Et Sauzer qui abandonne. Non, il a cassé en voiture de sécurité virtuelle. Un voiture de sécurité virtuelle. Bon, du coup, petite prédiction, on fait quoi? Est-ce que Milgos reste sur le podium? Ou non, ça c'est un. Ah ouais, en vrai. Est-ce qu'il va rentrer au stand ou quoi? Un autre abandon avant la fin de la course. Ouais, moi je pense à ça aussi, un autre abandon. Ouais. Allez, un abandon avant la fin de la course. Ouais, on va essayer en prédiction, allez. Donc, oui, un abandon, non, pas d'abandon. Voilà. Non, ils sont toujours 13. Oui, il y aura un 13ème mort. Allez, je mets 2000. Allez, vous pouvez parier en haut à droite, au-dessus du chat, et c'est bon, drapeau vert. Oh, Norzem. Ouais, c'est. Non, faut la jouer intelligente. Oh incroyable. Sauvetage de la part de Norzem. Et là, c'est chose que c'est Norzem. Faut qu'il soit rapide, mais pas trop. Parce que s'il est trop rapide et qu'il colle trop, il va se prendre de Milgos et il va péter son élan. Ouais, mais même derrière, hein, même tous derrière. Hein. Et là. Il y a Acta, il est revenu. Ouais, comme Asmod l'avait dit, c'est sûr, ouais. Acta revient très très fort. Bon, allez, faut passer là. Là, va y avoir 12 hommes pour un podium, les gars. 12 hommes, je vous le dis. Ouais, c'est ça. Hein. Et c'est dire comment c'est difficile de doubler, quoi.
Vraiment, si t'as un mec qui défend très très bien, c'est impossible de doubler. Ouais, bah après, je trouve que Northrim est pas très intelligent parce qu'il recharge pas beaucoup sur VMS. Ouais. Ouais, mais après, après on sait que sur Monaco, ça part comme du petit pain. Ouais, non, mais d'accord, mais justement. Là, t'es derrière depuis 3-4 points. Oh là là, Varkir qui a failli y aller. Hein. Là, par contre, faut y aller. Là, il faut y aller. Là, il faut y aller maintenant. Allez, c'est ton moment. Tu donnes tout là. Allez. Allez. Ah non, non, ça va pas. Ah, oh là, ouais. Non, mais après, il bloque. Ouais, ouais, Migos, Migos, c'est. Deux types dragons sous trait de feu. Dragon de feu. Mais lui, il est plein milieu, il a rien à foutre. Ah ouais, c'est dit, tu passes pas. Eh, Norzem, il doit être fou, hein. Il doit être fou, Norzem. Je pense qu'il aurait mieux en train de le calmer. Son ingénieur. Oh, non, oh, non, oh, non, oh, non, oh, oh. Non. C'est bon, y'a rien de cassé. Y'a rien de cassé. Y'a Martyr qui est toujours derrière le Carpetou. Oh, y'a Acta et Acta qui est revenu. Y'a Acta qui est revenu. Il y a une bataille à 6. Prends le prochain, c'est Ludo, il a 27 secondes. J'espère qu'il n'y aura pas encore. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas le temps. Je veux dire. Oh, est-ce qu'il va tenter? Est-ce que non, c'est. En vrai, c'est. En vrai, le. C'est un. Ça se tente. Moi, je suis derrière. Là, je suis Norzem, mais je pète un câble. Ah ouais, c'est sûr que Norzem, là, il doit être fou derrière son. Alors, est-ce qu'il va pouvoir y aller marquer? Attends, ça a tapé pour Migos là? Ah ouais? Il a tapé de l'autre côté, il a tapé de l'autre côté. Oh là là. Il a oh cassé non. La petite ailette droite. Aïe aïe aïe. Là, oui. Là il pourra plus tourner. Ah ouais, là, il ouais, là c'est orange là. De côté. Non il y va pas. Non il y va pas. Ah non c'est même orange à gauche. Allez, c'est orange à gauche et jaune à droite. Et jaune, c'est ça, orange et jaune. Ah non mais c'est faux. Mais en fait là ce que allez, j'ai peur. Allez. Oh là oh. Oh non, mais il va pas laisser passer. Hein. Non, mais en vrai, là, de ce que j'ai peur, c'est que Milgo aille dans le mur et que Northrim le suive. Genre, c'est. Ouais, c'est ça. C'est que là, c'est. On regarde combien de tours pas. Par contre, comment dire, on regarde pas, mais Varkir et El Carpeto se mettent sur son fond une bataille de tout à l'heure. Incroyable. Ah bah, ils ont... Ouais, du coup, ils ont 16 secondes. Oh là oh, derrière, ça a tapé. Acta oh là, attends, Acta qui a doublé George. Acta, non, Acta qui a fait le gros. Oh là oh, bah, qui... What. Et il y a un aileron d'AlphaTauri aussi, c'est Awakni aussi. Qui a du cast. Ouais. Oh là là, ça, il y a un autre aileron, Ferrari qui a volé là. Aïe aïe aïe, Alox, oui. C'est Alox alors. Mais Alox, non, mais ouais, parce que pour moi c'est comme Shipperani, et en fait il ne prépare pas son déplacement. Ouais. Oh, il a 6% de RS en fait. Varkir à chaque fois il arrive pas à redémarrer assez. Oh. Ah non, mais à chaque fois ça redémarre. Ah, à chaque fois la rage, Varkir, il arrive pas. Hein. C'est dur, hein. c'est les hard. Hein. Attention, Norzem, c'est ton moment. C'est pas demain. C'est pas aujourd'hui. C'est pas hier. C'est maintenant. Du coup, c'est aujourd'hui. Oui. Allez, là il faut y aller, là c'est bon. Voilà, c'est. Je veux dire, au bout d'un moment. Non, mais il a pas assez de SS en fait, c'est ça le problème. Ouais. Il a pas assez de SS. Faut qu'il ait nommé. Oh, oh là là, bah ouais. Oh non. Oh. Non, mais là il a touché. Il a touché, mais bon, en même temps, malheureusement. Attends, et là maintenant il y a Acta qui fait bouchon sur George. Hein. Oh George. Ouais. Oh George à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Mais là il se passe quoi là? Mais il se passe quoi? Bah, ça a pété du coup. Acta a pété du coup. C'est Acta qui a pété? Ouais, Acta il a pété. Il a ah ouais, c'est pas George? George avait déjà pété son ailette. Ah ok. Et Acta a encore plus pété son aileron du coup. Allez, Varkir depuis tout à l'heure. Oh, mais on a pas vu, mais Norzem est passé. Ah oui. Mais oui, Norzem est passé. Oh putain, eh mais je suis depuis tout à l'heure, depuis 15 minutes sur lui. Et là ça fait les non, affaires mais, de Norzem hein. Depuis 15 minutes je suis sur Norzem, je dis bah allez, attends. Varkir va peut-être la tenter là. Il est très très proche. Oh non, non. À chaque fois t'as non, vu leur démarrage non, bah, ouais, t'as vu leur démarrage à chaque fois de El Carpeto, il est fou hein. Ouais, vraiment, il est fou. Ouais. Il lui reste 7 tours. Tu sais, je sais pas si c'est Varkir ou si c'est El Carpeto, mais il y a un des deux qui s'est fait ou il y a un qui est bon. Hein. Je pense que c'est en vrai, quand t'es derrière, en vrai, t'as trop peur de réaccélérer trop tôt. Hein. Non, Zem, déjà qu'il y a 20 secondes de Varkir déjà devant, et de 2, Milgo, bah, il a déjà 30 secondes. Hein. Alox, non, Alox, ça passe pas. Non, c'est trop bon. Et George. Non, malheureusement. Après, il met tout là. Oh, il le tente, il le tente. Oh non. Eh oui, la carrière de DJ s'arrête là. Oh non. Et Acta qui a doublé Alox. Et bon, Acta qui a roulé sur le débris d'Alox. Hein. Est-ce que Acta va encore avoir une crevaison? Par contre, du coup, Acta et Alox au niveau aileron, ils sont pareils. C'est pas du même côté. Oh, George qui y va. Non, mais tu vois, Alox, lui, il est intelligent. Ouais, Alox, il laisse passer. Et derrière, c'est son coéquipier qui revient du coup. Attends, Awakni qui revient sur Ludo. Et mais.
ce Grand Prix de Hongrie. Il n'était pas 27 secondes. Et vous êtes 50 sur 20, le stream. 20, 20, on peut applaudir dans les co-casteurs s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, 50. C'est beau. Mais Selim est en train de revenir petit à petit, mais Selim il va pouvoir aller chercher je pense la 7ème place. Hein. Norzem qui reprend une seconde par tour à Varkia, ça me tourne un peu trop tard peut-être, mais bon, c'est au moins c'est là. À peine. Oui, c'est... Oh non c'est tard, oh là, Milgos qui a quitté son épée, oh non. Oh non, Milgos, oh, Milgos là pour rentrer là. Milgos pour rentrer, Milgos pour rentrer. Oh là 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 là. Là, Milgos c'est une nouvelle voiture qui nous tend, qui nous fait là. Il, mais non, bah, il rentre pas. Allo. Allo. Mais en fait les trois là, Milgos, Sacta et Georges, ils sont plus des drones. Ouais, en fait ça fait une évolution. T'as Milgos, ensuite t'as Alox, ensuite Georges. Oh, c'est Nim qui passe sur... sur des Smoky. Alox qui rentre au stand. Alox c'est intelligent. Alox voilà. Voilà quelqu'un d'intelligent, Alox. Mais Nim était à 27 secondes des trois. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va y avoir une course oh, attention, d'équipe du coup Georges, il fait quoi? Il fait n'importe quoi. Ah, les deux frères qui sont pas... Ils sont pas patients. Ah, ils sont jeunes, hein. Moi je banne moi ça. Je suis désolé mais. Je ban. Je prends un pseudo, je le déchire. Ah mais c'est n'importe quoi. Alors Varkir, peut-être. Varkir maintenant. Varkir. Non mais non, Varkir. Allez, allez, s'il te plaît, Varkir. Allez, Varkir. Oh, allez, attention. Non mais rade moi ça. Hein. Ah, c'est... Ah, non, 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 non. Non, c'est un peu trop loin. Mais il a toujours pas de RS. Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Ludo Awakni. Non. Oh là là. Oh non, Awakni. Ludo Awakni. Oh terrible. Oh là 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 là. La boucherie. Bienvenue à la boucherie. Attention. De la même. Awakni qui abandonne. Quoi? Allô? Alors Awakni par contre. Ah oui d'accord. Bon. D'accord. Awakni. Ouais, bon. Qui est d'accord aussi. D'accord. Oh. Ok. D'accord. Bon, il y a des bonnes GP qui vont partir. Hein. Ah, il y a des bonnes GP qui vont tomber. J'ai hein. pas mis de. T'es la petite feuille de réclamation. J'ai pas mis en Italie. Oh, Monaco va y avoir 15 pages. Ça va être un livre. C'est. Ah, Alox qui double Ludo. Ouais, c'est bon. Monaco réclamation, tome 1. Ah, chapitre 1. Chapitre 1. Awakni. Terre 1. Chapitre 1, le ban GP. Oh non! Oh, et Acta qui casse son aileron sur Milgos. Mais en même temps, Milgos aussi, il conduit plus. Enfin, je veux dire, c'est. Du coup, du coup, là, c'est bien. Milgos, il est en train de. Oh, mais du coup, c'est Selim derrière qui est revenu. Ah, c'est Selim. Il peut faire P7 tout P4 là. Incroyable. Faudrait, je pense, faudrait. Oh, mais attends, mais Selim qui a cassé son aileron aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, George qui a la pénalité aussi, hein, comme Selim. Oh là, ça glisse. Ah, comme elle, tu viens. Oh, allez, allez, Varkir. Varkir, c'est ton moment. T'as jamais été aussi près? Non, 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 non. Oh! Attends, on voit pas. Oh, c'est bon. Non, là, il reste. Pris, c'est oui. Ah, bah oui, il a pris, c'est oui, du coup. Ah, bah oui. Bien joué. Bravo. Bah, vous pouvez dire merci à Awakni. Merci du rush kick d'Awakni, hein. Qui ne va pas passer un très bon moment en commission. Awakni qui va kiffer. Ah, il va. Drapeau jaune, c'est. Ah, ouais, des qui laisse passer. Et je crois que du coup là on a Desfouki et Martin qui ont toujours pas passé à Wakni. Et là il y a... Ah mais ouais, Desfouki il a plus de... Desfouki il a crevé. Quoi, il a crevé Desfouki? Ah ouais. Oh non. Desfouki qui a crevé. Ok, enfer. Oh mon dieu. Combien d'années? Wakni qui va prendre son bon GP. Milgos, 3 secondes. Ah, Milgos qui a pris 3 secondes, c'est bon! Ah, bah là, oh là là! C'est qui va là? C'est Georges qui va sur Acta? Ouais, mais en fait, Acta a passé son aileron sur Milgos en fait. C'est ça le problème. Oui, bah oui, du coup, ouais. Et contre, derrière, c'est Milgos c'est qui s'en sort mieux sans aileron que Acta avec un aileron orange. Hein. Je. Moi, je laisse ça comme oui, ça. Oui, oui. Milgos en fait, c'est à dire, oh bah, plus besoin de ça, c'est bon. Prévois ta pauvre. Oh, Selim, oh voilà, Georges qui n'est pas, c'est. Oh! Mais non! Oula. Allô? Selim, il a cassé dans le. Ouais, ah non, mais il avait déjà cassé. Milgos! Oh, Milgos! Milgos! Oh non, Milgos! Bah, il laisse attention à Lox, attention à Lox! C'est bon, c'est okay, bon. C'est bon, la partie. Et du coup, non, mais attends, mais Selim qui a laissé passer Georges. Non, mais en fait, Selim, il. Enfin, Georges laisse passer Selim, et Selim casse dans le tunnel. Ah oui, d'accord. Terrible. Ah, c'est. Après, faut dire aussi que la communication est pas très bonne parce que George est pas sur le TP. Ouais, bah ouais, ils sont morts. Acta qui s'arrête. Acta qui est crevé. Oh non, mais non, c'est pas possible. Oh, c'est terrible. Imagine, George, il va faire TK. Mais non, mais c'est pas possible.
Genre, il va faire P4 avec Neptune. Oh, et c'est Alox qui c'est Alox qui vient sur Milgauss. Milgauss, hein. Bon, Milgauss là. On va revenir, il va passer ou pas? Tu sais, le graphique où tu vois les changements de position en temps réel pour chaque tour, c'est du Picasso. C'est du Picasso, genre tu le peins. Et allez, c'est... Milgauss, là faut laisser passer Alox. Là faut pas. Voilà. Voilà, et c'est imposé Alox. Très bien, mon garçon. Voilà, c'est bien. De toute façon, tu peux pas lui casser son aileron, il en a plus. Non. Je veux dire. Là, y'a plus que l'Hyrule. Là. Bah, il reste plus qu'un combat Varkir El Carpeto. Eh ouais. Parce que même Norzem, du coup, a mis 40 secondes à genre. Vous êtes bientôt 60 sur le stream, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on est en train de faire. Ah bah là, bientôt c'est 60, cool. Ramenez vos potes, vous dites viens juste sur le stream, fais une vue. Non mais les gars, et après la course il se passe quoi? Les gars, après la course, il y a le plateau. Le plateau c'est quoi, Sbod? Alors, le plateau, qu'est-ce que c'est, mon cher Gary et mon cher Thomasor? Eh bien c'est Seb, c'est un petit rendez-vous avec donc nous avons Firma, Tex, El Carpeto. Ouais. Ainsi que d'autres personnes, voilà, et on va parler de l'actualité F1, donc que ce mais soit non. Sur l'e-sport ou bien sur l'actualité F1. Foxer aussi, t'as oublié Foxer, pareil. Mais Foxer, il le fait encore ? Ah, je sais plus, peut-être, des... mais c'est pour ça que j'ai dit. Ah, mais Varkia qui a pété son aileron ! Varkia qui a cassé son aileron sur le côté ! Oh ! Et c'est qui est Alos qui a passé George ! Alof qui a passé George, incroyable de course d'Alof, incroyable. Mais oui, George a cassé encore plus. Et Akhtar va-t-il? Oh mais c'est le dernier tour, on n'avait pas. Putain, tu n'as plus là, il ouais, est planté. Ouais. J'allais dire est-ce que SMG et Liv, bienvenue. Et c'est Liv qui se bat pour le podium. C'est Liv qui va plus vite que Marc qui récupère le carpeton peut-être. Va-t-il le réaliser? Faut rester derrière par contre. Hein. Oh ouais. Il faudrait rester derrière. Reste derrière Célim. Et Asmon qui veut toujours autant, merci. Ouais. C'est juste je vous entendais plus du tout. Ah nickel. Ah ok super. Voilà. Célim, je pense qu'il va pas faire de dinguerie. Je pense que ça va aller. J'espère pas quand même. Imagine il loupe son freinage mal en contrôlement. Et il défonce Darkir. Non, il touche pas Darkir, il touche le Carpeto. Ah ouais, t'imagines genre boum. Épingle, boum. Boum. Non mais ouais, mais bon, moi je suis Célim là, je les laisse se batailler, je les colle pas comme ça quand même. Hein. Et attends, Thomas Zer, il est quand plateau? Répète-moi, il est quand plateau? Oh là! Oh là là! Varkir! Varkir qui double un carpeton! Quoi? Bah attends, mais j'ai... Attends, il s'est passé quoi là? Incroyable dépassement! Mais il s'est passé quoi? Je crois qu'il s'est loupé, du coup il a plongé mais... Non mais attends. Incroyable, Varkir! Qui gagne? Attends, mais je suis choqué là! Le GP de Monaco! Mais attends, attends, mais je suis choqué là. Oui, mais va falloir revoir ça, là, va oui. Falloir revoir cette action, oui, je pense. Je pense qu'il va y avoir quelques. Je pense que là. Norzem, troisième. Et on a Alox qui arrive. Oh, il est tellement loin, Alox. Ah ouais, il y a 40 secondes. Mais tu sais, genre là, tu vois, il y a le premier qui sont arrivés. Après, il y a Selim qui a eu un tour. Après, il y a Desuki et Martin qui avait deux tours. Qui sont arrivés. Attends, il y a Medizar, il est pas passé encore. Ah non, Medizar, il est pas passé encore. Hein. Mais non. Et oh, n'empêche, ouais, Medizar qui a passé tout le monde, il est 10ème. Et Akta qui est passé Migos. Ouais, sur la fin, ouais. Bah, ouais. Même avec les pénalités, il aurait passé. Hein. Attends, mais il va même passer George. Il va même passer George. Avec le temps. Incroyable! Alox, belle 4ème place pour Alox qui revient de loin quand même. Oh là là! Ah bah oui, là mais là ça passe. Là ça passe clairement. Genre, il va le dépasser avant la ligne d'arrivée. Hein, genre, c'est ça. Ouais, mais belle course de Monster Truck, hein. Vraiment. Ah, si vous voulez du Breakfast! Donc là, on va passer à F1. J'espère que ce casque de Breakfast vous a plu. Là, on va passer à la Formule 1. Non, parce qu'on va passer au plateau après. Mais incroyable course de Varkir qui gagne 15 places. Ce mec a gagné 15 places. Et il n'était que 17. Genre, enfin. Pas de soucis, ouais. Je veux dire. Incroyable course. Et c'est aussi le premier. Non, pas le premier podium de Norzem. Attends, je sais plus. Si. Attends, dans le classement. Faites voir dans le classement vite fait, mais. Je crois que va. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. El Carpeto, l'ancien retraité, montre qu'il en a encore sous le ventre aussi. Hein. Je veux dire, je veux un grand GG pour tous les pilotes
s'il vous plaît, dans le chat et dans le... dans le... putain. Incroyable, non mais vraiment incroyable. Course. Vraiment, enfin, c'était ouf. C'était ouf. Varkir, El Carpeto, hop, imprime écran. Alors attendez, on va changer ça vite fait. Ah non, j'ai juste passé en blabla. Hop, voilà. Hop, hop là. Nous avons Josu dans la gauche canal, je sais pas ce que vous avez vu. Ah oui, ah, avec Varkir. Bah après, ah bah on va prendre d'abord. On va prendre d'abord, comment dire. On va prendre Varkir, hein. C'est Norzem. Ouais, ouais. Ouais, bah on va prendre Varkir, vas-y, c'est parti. Bonsoir Varkir. Salut. Ah, salut, comment ça va? C'est quoi là sur le dernier tour? Ah non, mais je me suis dit. Salut Jarem. Est-ce que si j'ai une erreur, je le tente quand même, mais il faut que je fasse vraiment très très gaffe. Ouais. Très très gaffe, mais il a fait une erreur, mais après il faudrait que je revoie le Marodif. Parce que je sais pas si c'est vraiment legit de ma part ou pas. Bah c'est sûr que lui après est un peu sorti de la piste entre guillemets. Bah je t'avoue, ouais voilà, je t'avoue que du coup il a dû couper la chicane. Donc après voilà, à vous d'en parler et puis vous verrez. Mais enfin, ouais, vous êtes tenu du début de la safety car jusqu'à la fin. Et encore, toi t'avais un problème à l'aileron si je me trompe pas, hein, ça. Ouais, mais à la fin donc ça allait quand même. Parce que enfin, je veux dire, à chaque fois, et on le voyait tu vois, dans le stream, là, le redémarrage du dernier virage, il te mettait une menace, hein. C'était vraiment genre... D'ailleurs, moi j'ai une question là-dessus. Toi, Varkir, t'es resté combien de tours derrière lui? Moi, c'est 10-15 tours. C'était 8 tours. Ouais, 15 tours, hein, je pense. Même plus, même plus. Ouais. C'était, la relance de la safety, c'était mais au 20ème. Tu t'es pas dit à un moment... Bah après, je suis observateur de la course, donc c'est plus facile pour moi. Mais essayer d'économiser un peu de RS, je sais que c'est très difficile sur Monaco. Et tu aurais peut-être pu le dépasser justement à ce moment-là ? Non, moi en fait ma strat c'était de le coller en fait, de le coller et de mettre le plus la pression possible. Je voulais qu'il se prenne une pena ou qu'il rentre au stand parce qu'il a cassé ou quelque chose comme ça. Mais finalement en vrai il m'a très très bien tenu, donc GG à lui quand même. C'est sûr que ouais, c'était un combat. Après, il y a eu un combat pour la troisième place qui était un peu plus mouvementé entre guillemets. Sûr que non, vraiment bravo pour ta première victoire, je crois. Non, je sais plus. Deuxième. Deuxième victoire. Bah écoute, bravo à toi. Après, vous en parlerez avec El Carpeto, hein. De toute façon, hein, je veux dire, voilà, vous verrez, vous comparez vos POV. Mais en tout cas, bravo à toi, Varkir. Et tu mets une bonne menace à Acta sur le classement général. Hein. Je veux dire là, je pense que niveau classement général, t'es un bon deuxième. Et je pense que t'as mis une bonne avance sur Acta et t'as rattrapé un peu Georges. Ouais, je rattrape Georges un peu. Ouais. Qui gagne 6ème, hein, donc ouais. Ouais. Bon, en tout cas, bravo Varkir, on se retrouve la semaine prochaine en Chine. Ouais. Allez, ciao. Ouais, ciao. Salut. Est-ce que... Et je pense que El Carpeto l'a un petit peu mal parce qu'il n'est plus connecté sur Discord. Aïe. Coup dur. Bon bah, Norzem. Je pense. Norzem, on va voir. Va le piquer dans son channel là. Vas-y, mais prends-le là, Norzem, mon pote. Voilà, en plus il a écrémé. Hop là, voilà. Hop là, le petit Norzem. Alors, ouais, on vient pas en logical. Ah, enfin. Alors, ce podium. Ouais, enfin, un petit podium là. C'est bon, c'est quand même dommage parce que bon, la victoire pouvait pouvait être là, mais bon, quand même un podium sur Monaco. Ouais, on prend pas mal. Ouais. Hein. Je veux dire, qu'elle va résumer un peu ta course, etc. Résume-nous comment t'as insulté Mingus. Première partie tranquille, franchement je suis content de passer à l'Ox au premier virage, je m'attendais pas. Et là t'as Georges qui souffre beaucoup là, je le voyais faire des aller large à chaque fois, ensuite il casse donc je le passe, ensuite je suis premier donc je me dis qu'est-ce qui va se passer tu vois. Et après ouais, il y avait je crois que c'était Awakni qui bloquait la route quoi. Il y avait juste un petit espace pour passer, et après cet espace-là, il y avait un virage, donc je sais pas s'il y a vraiment un moyen d'avoir évité de l'avoir évité. Mais après, ouais, j'ai cassé, je suis entré, et puis je suis arrivé quatrième. Et puis Milgos,
Je savais que ça allait être difficile. Je savais que quelqu'un qui a plus d'aileron, faut être patient. Et mais ce que je disais avec Rémi, c'est que je voyais qu'en fait au final il s'est pas arrêté du tout. Du coup je me dis quand on voit quelqu'un qui a plus d'aileron, je sais qu'en Formule 1, quand il y a une voiture qui est dangereuse, ils mettent un drapeau noir et blanc ou je sais pas, qui a un petit drapeau pour dire que il y a une voiture dangereuse. Et en soi je pense que ça a ruiné plus de courses que plus de. Enfin ça a ruiné à cause de plus de gens que. Ouais bah écoute après c'est un peu compliqué de comment dire, c'est. Je veux dire. Il est très ralentissé, oui, mais il a pas en plus été dangereux. Enfin, je veux dire, après, c'est vrai qu'il. Mais... Vas-y, ouais. En ligne droite, comme ça, forcément. Ouais, juste un moment en ligne droite où il s'est déplacé un peu, mais je m'y attendais, donc c'est pour ça, au final, l'avoir passé sans casser, je suis très content. Non, mais c'est vrai qu'on dire, on t'a senti serein, et c'est vrai que, enfin, je veux dire, souvent les gens les plus sereins, on les voit au-dessus. Hein. Je veux dire, c'est les gens les plus sereins mentalement, on les voit au devant de la scène. Enfin voilà, Varkia, Capeto, Norzem, Alox, Acta, c'est pour moi quand même là. Alox, enfin, Acta a quand même eu deux crevaisons dans le Grand Prix, hein. Faut quand même le rappeler. Hein. Ouais, c'est pour ça que moi quand j'étais dans ma course et je vois du Acta, même des Georges, je vois Georges derrière moi alors que je sais qu'il était derrière. Enfin, on m'a dit qu'il, ouais, c'est fini la course pour lui. Donc en vrai, ouais, tout peut se passer. Et puis Varkir qui finit premier après partir dernier, ça montre vraiment que. Être derrière, ça veut pas dire que c'est fini, même à Monaco. Bah lui, il a vu 14 visites autour de lui, et puis voilà quoi. Mais ouais, bravo à lui, franchement. Mais ouais, en tout cas, un gros GG à lui, gros GG à toi pour ton premier podium. C'est maintenant, je te dis, il est monté en puissance, hein, monté en puissance, ça arrive. Il va exploser mon petit, hein, mon petit, il va exploser. En tout cas, bravo encore, et puis on se retrouve la semaine prochaine en Chine. Yes, ça marche. Allez, ciao. Merci, ciao. Et puis, il y a qui en loge canal là? Ben on a Céline mais Céline mais ouais bon je pense qu'on va passer la main au plateau maintenant ouais faut le passer plateau est prêt plateau, le plateau est prêt Divoxer. Bon en tout cas merci beaucoup à vous deux déjà parce que nous voilà enfin Thomaser et Asmode merci beaucoup d'être venus. Ça fait plaisir. Merci à toi hein, ça... de qualité. Bah là désolé aussi vos joueurs pour la lumière. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre la lumière du Grand Prix d'avant et celui-là. Parce qu'elle a pas changé. Donc bon, on verra. Et comment dire. Voilà, merci beaucoup. Comme vous le voyez, je veux dire, là déjà la cam a tenu jusqu'à la fin. Oh, l'event elle avait pas tenu. Voilà, on s'améliore. Chaque jour on s'améliore. Et puis comme ça, au dernier Grand Prix, ce sera ouf. J'espère que tout ça vous a plu. On a atteint 56 joueurs sur le stream. C'était fou. C'était fou. C'est beau. Vraiment, donc voilà, donc ne quittez pas. Tout de suite, c'est le plateau, c'est de la rigolade, c'est de l'actu, c'est du sud. Donc voilà, donc en tout cas, on vous retrouve après c'est la Liga. Merci beaucoup. Demain, c'est Brady en Ligue B sur PS4. Montez le volume. On se retrouve au prochain stream. Allez, ciao. Salut.